De retour au stade TELUS Université Laval et plus précisément au centre du terrain pour le tirage au sort en compagnie d'Antoine Dia. Alors, pour procéder au tirage au sort de cette Coupe Dunsmore, je suis avec M. René Desgnaux, arbitre du match, et M. Jean-François Poulin de Raymond Chabot Grant Thornton, ainsi bien sûr des capitaines des deux équipes. M. Desgnaux, à vous la parole. Bonjour, messieurs, les capitaines. Tout le temps, une chose à vous dire. Vous êtes en charge de votre équipe. Vous avez le contrôle de votre équipe. On joue au sifflet, après sifflet, chacun de votre côté, à votre caucus. Ici, M. Poulin va faire le tirage au sort. Montréal, c'est votre choix. On a face ou pile? Face, c'est le joueur, l'arbitre, et pile, c'est l'autre côté. On va aller avec pile. On va être pile. Pile est le choix. C'est pile. Montréal, c'est votre choix. Deuxième demi. On va le prendre deuxième. Montréal va différer. On va prendre le choix. Deuxième demi. Laval. Il va recevoir le ballon. Quel côté vous les bottez? Comme ça? OK. Laval. Bon, recevoir. Bonne première demi, messieurs. Alors, explique tout ça. Les Carabins ont décidé de donner le ballon. Oui, ils ont différé. Donc, ça veut dire qu'ils décident de choisir, d'avoir le choix de retourner ou de ne pas retourner, mais en deuxième mi-temps. Okay. Alors là, ils choisissent le vent. Ils ont décidé avec le vent pour leur unité offensive, pour commencer la partie, peut-être pour essayer d'avoir un départ canon. C'est pas un mauvais choix, hein? Parce que si on considère que la première demi, c'est toujours un pointage chéri, ça peut être un facteur important. Absolument, puis ils se donnent le choix d'avoir le ballon en deuxième mi-temps. Effectivement, mais sur votre mandat, Jean-Antoine, ce qu'il en pense, Jean-Antoine? Oui, on a fait une bonne décision habituellement. On veut garder le choix pour la deuxième mi-temps. Étienne en a parlé. Et ce que j'aime, c'est qu'on débute avec notre meilleure unité, c'est-à-dire la défense pour les Carabins. Donc, on devra mettre un rythme en amenant énormément de pression sur Alex Skinner et surtout en ralentissant le jeu au sol du Rouge et Or sur premier essai. Merci infiniment, Charles-Antoine. Je vous sais très présent sur les fils de discussion. On n'hésite pas à communiquer avec nous, soit sur le radio-canada.ca/sport et bien sûr sur Twitter grâce au mot-clic FootRC. Là-dessus, on va écouter notre hymne national. Pratique à porter! Bravo, M. Poulin! Et mesdames, messieurs, merci de demeurer debout pour l'interprétation de l'hymne national du Canada, qui sera interprété aujourd'hui par M. Robert Fournier. Pour ce match de la Coupe Dunsmore, restez vous dire la météo. Ce sera un ciel variable aujourd'hui, 4 degrés Celsius. Les vents sont de l'ouest de 17 km/h et l'humidité est à 54 %. Le botté d'envoi, une présentation de Jaff, prêt à porter. Le botté d'envoi qui sera donc effectué par les Carabins. Félix Ménard-Brière, qui sur les bottés d'envoi possède la meilleure moyenne du circuit, à plus de 62 verges en moyenne. Du côté du Rouge et Or, on s'est plaint qu'au cours des derniers matchs, ça n'avait pas commencé en force, mais là, ils vont pouvoir commencer avec leur attaque sur le terrain et avec un des meilleurs retourneurs qui joue
Son dernier match québécois aujourd'hui, Guillaume Rioux, le numéro 11. Mais naturellement, il espère en jouer deux autres au niveau national, la demi-finale la semaine prochaine. Et est-ce que Guillaume n'est même pas là? On met Abdan Thibault qui a effectué quelques retours d'envoi cette année et qu'il est très explosif. Et surtout, il va chercher des verges nord-sud. Donc, actuellement, il est en mesure d'aller chercher plus de 25 verges en moyenne par retour de botté d'envoi. C'est un excellent choix. Et Guillaume Bourassa, bien, c'est un porteur de ballon. Donc, il pourrait être en mesure d'effectuer un bon retour. Mais également, c'est un excellent bloqueur. Donc, il pourrait ouvrir le chemin pour son collègue Abdan Thibault. Il ne faut pas oublier que l'attaque du Rouge et Or sera sur le terrain. Peut-être qu'on va voir les jambes fraîches de Guillaume comme receveur de passe. Est-ce que le Rouge et Or va y aller par la passe en début de match ou avec son rouleau compresseur, avec ses trois porteurs de ballon? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Bonne finale, mesdames, messieurs. Le botté se dirige vers Thibault qui s'en empare à la ligne de 8. S'en va du côté droit. Freine revient de l'autre côté. Devant lui, franchit la ligne de 20. Attention! Pénalité, mouchoir qui va venir atterrir dans la mêlée à la ligne de 35. Ce quart est présenté par Subway. Les restaurants Subway, fiers collaborateurs du RSEQ. Subway, mangez frais. Donc, la première pénalité qui sera annoncée par l'officiel René Daigneau. D'ailleurs, les officiels, ce sont des vétérans. Monsieur Daigneau est l'arbitre en chef. On l'écoute. Durant le jeu, suspicion légale. Montréal, le joueur est sorti du terrain et rentré sur le terrain faire le plaqué. Punition diverge. Premier essai. Excellente explication de M. Daigneau, accompagné par les vétérans Robert Moquin, Mario Thivière, Jéric Cloutier, Walter Berry, Lawrence Olivier et Brent Young. Bon match de la ligne de 45, donc bonne position dès le départ pour le Rouge et Or. La petite passe dans le flanc, capté à la ligne d'engagement. Et ce sera un gain de 5 verges là-dessus. On avait commencé avec exactement le même jeu contre le Vert-Or de Chabot la semaine dernière. Je te disais qu'il fallait garder les jambes fraîches de Rioux. C'est lui qui a été le premier à capter une passe. Skinner qui dirige cette attaque. 8 passes de toucher, 2 interceptions en saison régulière. Maxime Boutin devait amorcer le match, mais du côté des porteurs de ballon du Rouge et Or, on ne sait jamais. On est interchangeable et on a chacun des porteurs de ballon ont sa propre qualité. Ici, c'est Pascal Lochard en puissance. C'est un excellent bloqueur également. Deuxième essai, 5 verges à gagner. On a 3 receveurs du côté gauche, du côté large du terrain et 2 à droite. La passe rapide du côté gauche, complétée. Premier jeu à la ligne de 50. C'est Guillaume Rioux, attention! Il y a de l'espace devant lui. Rioux revient vers l'intérieur à la ligne de 31. Un long gain. Mon plan de match, John, c'était fait. Verge après l'attraper, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc, passe rapide, la pression qui arrive des carabins. Et regardez, en vétéran, tourne rapidement nord-sud. Il va chercher les lignes de côté, tout un jeu du vétéran. 28 verges sur la passe et premier jeu en territoire des carabins à la ligne de 31. Rioux s'en va du côté droit en mouvement. Au bout de la ligne, Yannick Morin-Plante, un autre vétéran de cinquième année, au bout de la ligne, en bas de l'écran. La remise au champ arrière. Attention! Premier essai avec Maxime Boutin en défense pour les Carabins. La ligne défensive qui a été excellente tout au long de la saison avec notamment 3 membres de l'équipe d'étoiles, Ménard, Blanc et Girard. Les secondeurs, il y en a 2 qui se sont retrouvés dans l'équipe d'étoiles, Antoine Pruneau et Byron Archambault. Alors que les demi-défensifs, il y en a 2 également, Fody Janssen et le maraudeur Anthony Cody. Il ne faut pas oublier qu'Antoine Pruneau est le joueur défensif de l'année dans le football RSEQ. La remise au champ arrière à Rioux qui est en mouvement, mais on a tenté d'étirer la défense montréalaise sans succès là-dessus. Excellent travail cette fois-ci de Byron Archambault qui a gardé l'extérieur. Donc vous allez voir, il y avait un joueur qui avait initié son bloc sur Archambault, mais qui a gardé l'extérieur et qui a forcé Rioux à continuer vers les lignes de côté et à ce moment-là, donner quelques secondes de plus à Fody Janssen pour aller le rejoindre. Substitution de personnel. Alors qu'on voit au premier quart, Laval cette année dans les 2 matchs contre les Carabins n'ont pu marquer de points. Là, ils sont en excellente position. Deuxième essai, 10 du 18. Mais au moins en position pour un botté de placement. Attention. Ça vient du fond du terrain. On va peut-être ajouter quelques secondes au tableau indicateur. Quand je vous parlais d'un groupe d'officiels vétérans,
M. Walter Berry et Brent Young, on les voit souvent comme arbitres en chef. Et là, il seconde René Daigneault. Deuxième essai 10. Auclair en mouvement, c'est le 81, bien se placer au bout de la ligne. Deux joueurs au champ arrière. Skinner recule, cherche la passe. Au bout des doigts, cependant, de Félix Faubert-Lucier. Le Rouge et Or devrait y aller pour une tentative de beauté de précision. Félix Faubert-Lucier ici qui s'est dirigé vers dans les flancs. Donc, initialement, Skinner a rejeté un coup d'œil vers Faubert-Lucier. Il avait un secondaire près de lui, donc il est retourné à son tracé profond et revenu à Faubert-Lucier comme dépanneur. Malheureusement, a précipité son geste à la toute fin, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé ses pieds en bonne position. Aurait dû faire un meilleur transfert de poids vers son receveur. C'est pourquoi la passe manquait un peu de précision, mais tout de même une bonne première série à l'attaque parce que la dernière fois contre les Carabins, on avait dégagé après seulement deux jeux. La tentative de beauté de placement de 25 verges. C'est réussi et le Rouge et Or prend les portes 3-0 sur le beauté de Boris Bédé. Évidemment, on n'en a pas parlé depuis le début du match, mais deux des joueurs clés à surveiller, ce seront les batteurs. Félix Ménard-Myriat, Boris Bédé, qui ont vraiment joué un très grand rôle cette année dans plusieurs matchs parce que les attaques respectives ne fonctionnaient pas toujours à plein régime et leur beauté directionnelle ainsi que leur auto d'efficacité sur les beautés de placement ont souvent fait la différence. Le fameux positionnement sur le terrain. Là, les Carabins vont partir de leur ligne de 35. De l'autre côté, le Rouge et Or était parti de la ligne de 45. Les deux entraîneurs-chefs, Danny Maciocek, qui en est à sa troisième année, complète deux présences en Coupe Dunsmore en trois ans. De l'autre côté, bien, c'est le champion des 10 dernières années, Glenn Constantin. La passe de Cousineau, captée par Philippe Henschel en territoire du Rouge et Or. Je croyais avoir vu Varigi sur la liste comme partant, mais là, c'est le numéro 4, Gabriel Cousineau, qui était là. Ce sont deux joueurs également qui ont été interchangeables. Je veux que vous regardiez la protection. J'en ai parlé. Donc, d'excellents joueurs de ligne défensive chez les Rougeurs, mais les vétérans aussi sur la ligne à l'attaque. Et ce qui a permis à Cousineau d'aller chercher son receveur de passe, Henschel, qui était sur un tracé vertical en croisée. Quatre receveurs du côté droit. Il passe dans le flanc. À Chantham Arlington. Arlington baisse l'épaule, atteint la ligne de 40 ou tout près. Ça va être tout près d'un premier essai. L'attaque des Carabins, donc, on nous avait dit, devait être dirigée par Pierre-Luc Varigy, mais c'est Gabriel Cousineau qui est là avec, derrière lui, le porteur de ballon, Chantham Arlington, qu'on vient de voir courir. Les receveurs de passe, Endao, Prévost, Henschel, Fournier-Rioux et Davidson. Davidson, qui était un cas douteux, a raté quelques entraînements cette semaine. Et la ligne à l'attaque, avec le vétéran Rousseau-Sen, qui est revenu pour une cinquième année, même s'il étudie en médecine. Entre deux stages, a le temps de venir jouer au football. Mais on a parlé un peu de la surprise de voir Gabriel Cousineau au poste de partant, mais cette année, évidemment, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises. Et le premier match, c'était Cousineau. Le deuxième, c'était Varigi. Et Cousineau avait peut-être un peu mieux fait. Avait lancé pour plus de 200 verges, n'avait pas eu de passe de toucher, mais avait été efficace. Donc, quand même, une sage décision des Carabins. Du côté de la défense, l'excellente défense du Rouge et Or. Brandon Tennant sur l'équipe d'étoiles, le joueur à surveiller. D'Étienne Boulay aujourd'hui. Mathieu Massot, également de l'équipe d'étoiles, le secondaire, mais quelle saison de Shane Gauthier également. Et les demi-défensifs, qui n'a pas fait l'équipe d'étoiles parce que c'est une recrue. Surveillez le numéro 3, Alex Ovington, s'est amené en relève la semaine dernière et a réussi pas moins de 3 interceptions, alors qu'on va revoir ce qui s'est passé avec Thomas Arlington, Sean Thomas Arlington. Beaucoup de vélocité. Hein? Lorsqu'on met le ballon dans les mains, notre porteur de ballon dans les flancs, bien, on lui permet d'aller droit devant lui. Et là, tout le flot défensif essaie de le rejoindre. Donc, il a peut-être été frappé au niveau du genou, où, évidemment, il y a un sévère contact à la tête également. Donc, on ne veut habituellement pas prendre de chance lorsque c'est le haut du corps, la tête, évidemment, qui a été touché. Deuxième essai, moins d'une verge à gagner. Cousineau, est-ce qu'il va lui-même? Du côté droit, il fonce, il est revenu. Est-ce qu'il a atteint la ligne alors qu'il était toujours debout? Est-ce qu'il a dépassé la ligne de 40? Surveillez le jeu de Vincent Deloge qui a vraiment catapulté son joueur de ligne à l'attaque juste ici. Vous allez le voir arriver. Il a poussé le joueur de ligne à l'attaque, Rousseau-Sen, dans son carrière. Donc, un départ explosif du côté droit de la ligne à l'attaque juste ici. Regardez Rousseau-Sen. C'est lui qui va ralentir son propre corps. Donc, Vincent Deloge, qui a connu toute une saison et en début de match sur un jeu excessivement important, s'impose en venant vraiment détruire le mur créé par la ligne à l'attaque adverse. Troisième essai. Quelques pouces. Est-ce que cette fois... Attention, il y a eu coup de sifflet.
avant le jeu, on en déduit qu'il y avait quelqu'un qui était dans la verge entre les deux équipes. Je n'ai pas vu de mouchoir sur le terrain, toutefois. Mais il y a eu un coup de sifflet qui me semblait avant le jeu. Peut-être que il y avait une équipe qui n'était pas bien positionnée. Peut-être que le juge, sur les lignes de côté, n'avait pas encore donné son approbation pour débuter le jeu. On reprend. Et est-ce qu'on y va à nouveau avec la faufilade du corps? On pourrait et aussi... est-ce qu'on y va du même côté? Bien, du côté gauche de la ligne d'attaque, c'est Brandon Tennant, le joueur étoile. Du côté droit, c'est Michael Savard, un joueur très imposant, mais qui n'a pas eu une saison aussi dominante et qui a été affligé par plusieurs blessures. Du côté droit, ça semble gagner cette fois. Au premier impact, ce n'était pas gagné, mais bon travail de Cousineau. On a vu ses jambes qui ont continué d'aller chercher, de faire des dépôts supplémentaires, d'aller chercher les verges nécessaires. Et ça, on doit donner. Regardez juste ici. Au premier impact, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais les pieds de Cousineau qui continuent de pousser dans le sol. Et tout un effort de Cousineau, évidemment, a beaucoup à perdre aujourd'hui. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas eu les règles de l'attaque montréalaise. Donc, évidemment. Il y a aussi beaucoup à gagner. Oui, il y a beaucoup à gagner, beaucoup à perdre. Très bon point. Mais il doit être très excité, mais il a tout de même eu la possibilité, surtout dans la saison, d'évoluer ici au Stade Tennis face à cette foule très hostile. La remise aux champs arrière à Crisilozon qui... On est parvenu à le faire trébucher. Je crois que c'est Masso qui lui a touché. Avec le pied, Masso qui s'était fait bloquer, mais qui a tout de même été en mesure de déborder. Mais là, si tu dis avec le pied, là, on n'a pas le droit de faire ça. Mais si ça n'a pas été de façon délibérée. Regardez le 55 juste ici. C'est avec les bras. En se relevant, il a fauché Crisilozon. Donc, il n'a pas nécessairement vu le porteur de ballon. Mais en même temps, chaque joueur est responsable d'une ouverture. Et même s'il était au sol, il couvrait son ouverture. Deuxième essai, plus de 6 verges à gagner. On a deux receveurs de chaque côté, un joueur au champ arrière, c'est Crisilozon. Cousineau regarde à sa droite, la passe à Enchil, complétée. Premier jeu à la ligne de 20. Très bien fait ici parce que c'était... On avait les deux demi-défensifs du côté court en zone profonde et le secondaire, Mathieu Masso, s'occupait des flancs. Donc, dès que Cousineau a identifié ça, il a anticipé le tracé d'Enchil vers les lignes du côté. Une précision sur la passe et ça a permis à Enchil de tourner rapidement et d'aller chercher les verres nécessaires pour leur premier jeu. Là, est-ce qu'on a les deux meilleures attaques au sol au Québec qui se battent par la passe? La clé du match, l'équipe qui aura la meilleure performance par la passe devrait remporter, à mon avis, ce match de la Coupe du monde. Quatre receveurs du côté gauche, un seul du côté droit, c'est Aliendao. Attention! David Foucault, le bloqueur à gauche, j'ai l'impression qu'il a bougé un peu trop vite. C'était déjà rendu à son joueur de ligne défensive lorsque le ballon a été remis au corps. Tanxieux un peu, il veut pas que ce soit son dernier match universitaire. Procédure. Montréal. Punition de Saint-Verge. On reprend le premier. Et l'anxiété, oui, c'est un bon point, mais il ne faut pas oublier le bruit. Donc, c'est une remise silencieuse. La première fois que les Carabins étaient venus ici au Stade TELUS, c'était le garde qui donnait un signal à son joueur de centre pour lui dire « Voici, le corps est prêt, tu peux lui remettre le ballon » parce qu'on n'entend absolument rien sur la ligne de mêlée. On est resté 15. C'est fort, on rajoute du monde sur la ligne de mêlée, seulement trois receveurs. Cousineau roule à sa gauche, attention. La passe dans la zone des buts pour Endao. Non, rabattu, mais il y a un mouchoir. Quel côté ira ce mouchoir? Alex Ovechkin qui était en bonne position, mais au dernier moment a fait tomber Endao. Donc c'était peut-être accidentel, mais l'arbitre qui était très bien positionné et qui a jeté son mouchoir. Donc j'ai l'impression que les Carabins vont avancer et seront très près de la zone des buts adverse. Obstruction de la passe à vert. Laval, punition de 15 verges. Premier essai. Ça amène donc un premier essai et les buts de la ligne de 10. Le marathon Vincent Plante s'était fait battre un peu et le receveur Endao qui était derrière en bonne position. Ovington, lorsqu'il a tenté d'aller chercher le ballon, j'ai l'impression que les pieds des deux joueurs se sont enfargés. Donc ce n'était peut-être pas un geste délibéré, mais tout de même l'arbitre qui appelle une pénalité. La remise à Crisilozon, frappé au champ arrière, mais toujours debout. Crisilozon, toujours debout. Crisilozon, touché, Carabin. Quel jeu! On avait amené le maraudeur Vincent Plante en pression.
situation. Il était au bon endroit, au bon moment, au coin de la ligne. Mais Crisy Lauzon, qui est très fort physiquement. Il a été touché au champ arrière. Il est parvenu à franchir les 10 verges quand même. 5 pieds 9 pouces, 235 livres contre le maraudeur Vincent Plante, qui était 5 pieds 6 pouces, 175 livres. Et la puissance de Crisy Lauzon, qui est la seule et unique raison pourquoi les Carabins ont marqué un toucher. Donc, très beau jeu, bel équilibre sur le plan. Ça fait une éternité que les Carabins n'avaient pas marqué de toucher. Le converti réussi, 7-3. Les Carabins en avant, avec 8 minutes 48 à faire au premier quart. Vous regardez le football universitaire. Ici, Radio-Canada, Télé. Début de match spectaculaire. Notre face-à-face, les quarts arrière cette saison. 55 % de passes pour Gabriel Cousineau. Une seule passe de toucher, deux interceptions. Alex Skinner qui s'est amené en cours de saison. 68 % de ses passes complétées. 8 passes de toucher, deux interceptions. La semaine dernière, il en a lancé 2 passes de toucher contre Sherwood. Botté de reprise et cette fois, Guillaume Rioux qui ne recevra pas nécessairement le ballon sur le prochain jeu en attaque est là pour retourner le botté. En compagnie de Guillaume Bourassa. Quel début de match, les deux attaques face aux deux meilleures défenses au pays. Les Carabins qui menaient dans cette saison pour le temps de possession, mais cette série pour le toucher a duré plus de 4 minutes. Donc c'est à leur image, mais on a utilisé un peu plus la passe. Voté de Ménard-Brière en plein centre, capté par Rioux à sa ligne de 2. Rioux s'amène du côté gauche. Contourne le premier. Niveau s'en va au deuxième et va atteindre la ligne de 25 avec son retour au tout près. On va rejoindre Antoine sur les lignes de côté. Merci. Jean Laval excelle dans les ajustements et dès le toucher qui a été accordé par la défense, Glenn Constantin est allé voir ses joueurs, leur a dit « Bon, les gars, on se réveille ». Ensuite, Marc Fossier a parlé, a dit « Ne regardez pas le pointage, restez concentrés sur votre processus que vous faites habituellement et ça va bien aller ». Alors déjà, on ajuste notre position et nos stratégies du côté de Laval. À vous. Et le mot-clé, Jean, c'est le processus. On ne doit pas penser au résultat final. On doit penser jeu après jeu. Faisons notre travail. L'équipe doit faire son travail jeu après jeu sans vraiment se soucier du pointage. La remise au champ arrière, Christophe Normand. Christophe Normand qui touche au ballon dès le premier quart. Oui, évidemment, un porteur en puissance et c'est un excellent bloqueur. Donc, à l'image de Pascal Lechard, il peut nous rendre de forts services, surtout contre une équipe qui amène autant de pression que les Carabins cette fois-ci. C'était Mathieu Girard qui était passé fin seul entre les deux joueurs de ligne à l'attaque qui se déplaçaient en corridor et qui s'est rendu dans le champ arrière rapidement. Par contre, le momentum de Christophe Normand lui a permis de gagner quand même 2 verges. Deuxième essai, 8 verges à gagner. Il y a eu substitution, naturellement. C'est Boutin qui se retrouve maintenant au champ arrière. Il y a également Le Chasseur qui s'est amené comme receveur de passe. Skinner, passe complétée à Guillaume Rioux. Guillaume Rioux, premier essai à nouveau. On crée énormément d'instabilité défensive. Regardez bien le mouvement avant le jeu de Guillaume Rioux. Il est parti du côté court, est allé côté large et revient dans les flancs. Donc, on doit se passer les joueurs à la défense. On doit, lorsque Rioux devient du côté large, ça doit être le secondaire du côté large. Au dernier moment, revient côté court. Et en plus de tout ça, on lui fait un écran avec le receveur qui a fait un tracé à l'intérieur. Donc, belle stratégie. Et c'est évidemment c'est ce qu'on veut faire, c'est créer un petit peu d'instabilité, d'insécurité du côté des secondaires adverses. Trois receveurs du côté droit, deux à gauche. La remise au champ arrière, Christophe Normand, droit devant lui. On va aller chercher 7 ou 8 verges là-dessus. On avait un jeu de lecture sur l'ailier défensif. Donc, Skinner regarde, qui regarde David Ménard. Il reste à l'extérieur. C'est pourquoi il remet le ballon au porteur de ballon au centre. Évidemment, Ménard n'est pas bloqué parce que c'est le joueur qui est en option. C'est pourquoi il est en mesure d'aller chercher Ménard à la fin du jeu. Mais tout de même, un gain de 9 verges. Christophe Normand qui court en puissance. Est-ce que, justement, le Rouge et Or a décidé d'y aller avec la puissance? Là, c'est Pascal Lechard qui est au champ arrière. Est-ce qu'on a trouvé petite brèche dans la défense montréalaise. Le char droit devant lui atteint la ligne de 50. Premier essai, Rouge et Or. On a fait une permutation sur la ligne défensive, donc deux joueurs en croisée. Mais lorsqu'on fait ça, Jean, la première seconde, les joueurs sont en mouvement, donc n'ont pas autant de force. Donc vous avez vu David Ménard au plaqué, mais c'était lui le joueur en permutation. Donc ça a permis au porteur de tout de même se rendre à la ligne de mêlée et d'aller chercher la verge qui était nécessaire. Bailey, Rioux s'en vont, receveur éloigné du côté droit, alors qu'on voit Lochard qui est au champ arrière. Il a de la compagnie. Seulement 3 receveurs. Skinner passe au centre. Complété. Félix Faubert-Lucier. Toujours debout à la ligne de 35.
Félix Fauvel ici qui a marqué deux touchés la semaine dernière, lui qui en avait réussi un seul au cours de la saison régulière. Ce qu'on a fait ici, c'est deux tracés verticaux. On a demandé aux maraudeurs adverses de choisir. Donc, Skinner lit le maraudeur, va du côté large, se rend compte que la verticale sur les très assurés du côté court est laissée plutôt libre et va rejoindre son receveur rapidement. Donc, très bien fait à tous les fois qu'il y a un tracé vertical. Il y en a souvent un autre du côté adverse pour mettre la défense, encore une fois, dans une situation instable. 24 verges par la passe. Skinner, du côté gauche, passe complétée à nouveau à Fauvel ici. Toujours debout, finalement, tiré en touche après avoir franchi la ligne de main. Premier essai, les Géants. C'est ce que Fauvel-Lucier amène. Encore une fois, je me répète, l'instabilité en défense. Il est dans le champ arrière, donc le demi-défensif peut penser qu'il va bloquer. Et au dernier moment, sort dans les flancs. Donc, Janssen qui est en bonne position, mais qui avait tout de même une verge de retard sur Fauvel-Lucier. Et on l'utilise à merveille, ce joueur-là. Un joueur très polyvalent, centre arrière, ailier rapproché, mais qui peut évidemment être utilisé comme receveur de passe. C'était sa position au niveau collégial. Trois joueurs au champ arrière. Fauvel-Lucier, Normand. Normand s'approche, se vient sur la ligne. Le char de l'autre côté. La passe dans le flanc à Fauvel-Lucier. En mouvement, attention! Fauvel-Lucier du côté droit. Premier essai à l'intérieur de la ligne de 10. Une autre option pour le corps, Alex Skinner. Du côté court du terrain, il y avait un tracé, une passe voilée au receveur et on avait le porteur de ballon dans les flancs. Donc Skinner regarde le flot défensif et il choisit le côté de prédilection. Cette fois-ci, c'était du côté large. Il y a un excellent bloc des receveurs de passe. Et la passe était parfaite. Était très vive et c'est ce qu'on a besoin. Un jeu dans les flancs comme ça, c'est un peu un jeu au sol camouflé. On remet le ballon dans un de nos joueurs agiles rapidement à l'extérieur du périmètre. Premier essai, les buts à l'intérieur de la ligne de 10 au 7. Morin plante, receveur à droite, passe de l'autre côté à Rio. Rio revient vers l'intérieur. Rio plaqué à la ligne de 5. Gain de 2. Encore une fois, Jean, tu connais les Carabins, leur force vient du centre de la défense. Donc, c'est pourquoi on dirige rapidement le ballon à l'extérieur pour éviter que ces joueurs dominants-là soient en action. Mais regardez tout de même Jean-Samuel Blanc. Donc, à toute vitesse, on amène le ballon sur le périmètre et l'ailier défensif qui est tout de même au point d'impact, donc un joueur excessivement athlétique. 6 pieds, 245 livres, mais excessivement rapide pour sa taille. Exactement. Deuxième essai, début de la ligne de 5. Deux receveurs à droite. Haut de l'écran, c'est Yannick Morin-Plante, vétéran de 5e année. Fin de course, passe, intercepté! Fondé Janssen! Janssen, au 10, se rend jusqu'au 17. Interception, Carabin, revirement. J'ai l'impression ici que Skinner avait déjà décidé où il allait avec sa passe. Mais il y avait deux joueurs sur le receveur inséré. On avait Fodé Janssen, évidemment, qui attendait le receveur à la ligne de 5. Et également un secondeur qui accompagnait le receveur. On s'en va en pause là-dessus. Les Carabins mènent 7-3 contre le Rouge et Or. Vous regardez le football universitaire. Ici Radio-Canada Télé. Premier revirement de ce match spectaculaire, interception, une poussée de 8 jeux qui se termine dans la zone début. On avait Cromer Raymond, le secondeur, juste à côté du receveur Fauvel-Lucier et Fodé Janssen qui pouvait être plus agressif parce qu'il y avait de l'aide à l'intérieur et le ballon qui est arrivé directement dans ses mains. Donc Skinner avait vraiment choisi sa lecture avant même de confirmer le déploiement défensif. Deux receveurs de chaque côté, Davidson et Fournier, Rio au haut de l'écran du côté gauche. La remise au champ arrière, Crisé-Lauzon tente de déborder. On le fauche et il va tomber à l'avant avec peut-être un gain de 3 verges. La vitesse de Shane Gauthier est spectaculaire. S'il est en mesure de se déplacer droite-gauche, regardez bien le secondaire. Donc, on a scellé le premier niveau, mais le secondaire, qui va, avec sa vitesse, va déborder la ligne offensive. Il va aller chercher Crisé-Lauzon au bout des pieds. Juste ici, Shane Gauthier, le 44. Un joueur qui se distingue par sa grande vitesse, mais qui excelle également en technique de plaqué, étant le secondaire au centre. Deuxième essai. Sévère, je gagne. Cousino, attention! La petite passe complétée à Enchil, toujours debout, mais à cause du premier essai, faudra dégager du côté des Carabins. Je ne sais pas si c'était la passe volée qui était destinée, mais ça rentrait au poste vers M. Cousino. En fait, il y a une permutation défensive. Massot qui est allé du côté large, donc ça a laissé le côté court vacant. Et vous avez vu ici beaucoup de pression. Et c'est un jeu à deux niveaux, donc deux tracés courts qui se croisent. Ça fait un écran naturel, mais une belle présence d'Abel Boucher, le demi-défensif numéro 32, qui est venu faire un plaqué important. Sinon, avec la vitesse du receveur, j'ai l'impression que Enchil aurait pu aller chercher le premier jeu. Donc, tout un plaqué d'Abel Boucher. Premier voté de dégagement de Félix Ménard hier aujourd'hui. Il a mis une moyenne de près de 40 verges cette saison.
Son botté est bon. Revient au centre, à Rioux, à la ligne de 40, qui latéralement. Attention, il y a de l'espace devant lui. Rioux, en territoire des Carabins, poussé en touche tout près de la ligne de 45. On s'en va en pause là-dessus. Vous regardez le football universitaire. Ici, Radio-Canada, télé. Le Rouge et Or qui va amorcer son attaque en territoire adverse. Une statistique surprenante. Les deux équipes qui ont près de 4 fois plus de verges par la passe qu'au sol depuis le début du match. Mais pendant la saison et lors du début des éliminatoires, c'était complètement l'inverse. Donc les deux quarts qui se distinguent, seul le ombre au tableau, l'interception de Skinner. La remise à Lochard, droit devant lui, toujours debout. Et avec l'aide des joueurs des Carabins, il va peut-être aller chercher 6 verges là-dessus. Encore une fois, les Carabins qui sont au point d'impact rapidement, mais j'ai l'impression qu'ils ralentissent un peu leurs pieds, leurs jambes, alors que Lochard continue continuellement de pousser vers l'avant. Regardez ses jambes qui sont constamment en mouvement. Et évidemment, il est très fort physiquement, alors qu'un joueur de ligne à l'attaque est resté au sol. Est-ce que c'est Charles Vaillancourt, le garde à droite? J'ai l'impression... Oui, c'est Charles Vaillancourt qui a connu quelques blessures cette saison. C'est probablement le joueur à l'attaque le plus dominant chez le Rougeur. À sa première année, en 2012, avait déjà été nommé sur l'équipe d'étoiles canadienne. C'est tout un joueur et il semble en douleur. Les dépisteurs qui le voient venir de loin, Charles Vaillancourt. Il y avait un changement sur la ligne à l'attaque déjà du côté du Rougeur. Danny Grou qui effectue le départ comme bloqueur à droite. C'est Jason Lauzon-Séguin qui était là depuis le début de la saison. Mm-hmm. En fait, peut-être depuis la mi-saison, parce qu'il y a eu tellement de changements. Il y a eu quelques blessés de ce côté-là également. Et là, on a deux possibilités pour le Rougeur. Soit on fait une petite permutation. On amène Danny Gros au poste de garde. Il l'a fait plus tôt dans la saison. Ou on met le remplaçant naturel au poste de garde, Vincent Leavitt, qui a connu un peu de terrain, qui a vu un peu de terrain au poste de centre et au poste de garde. C'est un excellent joueur et c'est surtout le meilleur ami de Byron Archambault, le secondeur au centre des Carabins. Donc, ils seront très près un de l'autre dans l'action si c'est Leavitt qui va remplacer Charles Vaillancourt. À la gauche de l'écran. Regardez, c'est la cheville. J'ai l'impression un joueur qui est venu accidentellement faucher Vaillancourt à la cheville. Il semble boiter un peu en se retournant au banc. Donc, probablement, sa cheville gauche qui a été touchée. S'il est en mesure, on le voit jogger, c'est un très bon signe. Évidemment, les mouvements des joueurs de ligne à l'attaque sont courts, mais il doit absolument avoir de la stabilité sur sa cheville parce que c'est son point d'ancrage. Et ce point d'ancrage-là lui permet de gagner les batailles un contre un. La force de Lechard lui a permis d'aller chercher ses verges. C'est deuxième et trois. Skinner, regarde du côté droit, attention, la pression est forte, la passe! Incomplète! Et là, Skinner doit commencer à jouer en vétéran. Tantôt, a prédestiné sa passe au receveur du côté gauche. On n'avait même pas fait de lecture. Là, ici, bouge du côté droit. Encore une fois, lance le ballon à l'extérieur, mais dans une zone qui était protégée par deux joueurs des Carabins. Donc, il n'y a pas de problème avec une bonne position sur le terrain comme ça de se débarrasser du ballon, de lancer simplement à l'extérieur ou d'essayer de gagner le premier jeu. Et si ça ne fonctionne pas, on a une bonne défense, on a un bon batteur de dégagement. Donc ici, ça n'a pas coûté trop cher, mais ne peut se permettre de faire de grosses erreurs sur deuxième essai. Ça aurait été un botté de placement de 46 verges contre le vent. On ne prend aucune chance. On veut enfoncer les Carabins profondément dans leur territoire. L'avantage du positionnement jusqu'à présent en faveur du Rouge et Or. Botté en angle. Qui va sortir en touche à la ligne de 6 ou à peu près. C'est la marque de commerce de Boris Bédé cette saison. En saison régulière, 33 de ses bottés de dégagement se sont conclus dans la zone des 20 adverses. Évidemment, c'est la statistique clé des botteurs. Donc, c'était lui au Canada qui a mis le plus souvent l'équipe adverse à l'intérieur de leur propre ligne de 20. Et ça, évidemment, ça joue. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Il en a mis 33. Il en a fait combien? Il en a fait plus de 82, si je ne m'abuse. Donc, c'est tout de même près du tiers de ses bottés qui sont positionnés dans la fameuse ligne de 20. Les Carabins, leur ligne de 6, là. Donc, un joueur au champ arrière. Fin de remise. La passe dans le flanc.
Ali Endor qui va peut-être aller chercher une verge là-dessus. Et lorsqu'on fait cette passe voilée au receveur de passe, justement, les joueurs de ligne à l'attaque qui font une feinte de bloc au sol et se dirigent ensuite vers le receveur, bien évidemment, les joueurs défensifs du Rougeur qui avaient flairé la stratégie. Et vous allez voir la poursuite qui provient de l'arrière. Ici, c'était Vincent Deloge, allié défensif, qui, lorsqu'il a vu son bloqueur se diriger vers le receveur, s'est dit « Je devrais m'en aller là, moi aussi », et est allé faire le plaqué après seulement deux verges. Est-ce que je t'ai dit qu'il était dans mon équipe d'étoiles, Vincent Deloge? Tout un joueur. Une fois, ce qu'on pensait. Tout un joueur. Mais il y en a des bons joueurs de ligne défensive au Québec. Cousineau, du côté droit, la passe complété avec Mitchell. Et Mitchell arrêté au 18, mais ça semble suffisant pour le premier essai. Et ce que Cousineau fait très bien jusqu'à présent, c'est d'anticiper le changement de direction de ses receveurs de passe. Encore une fois, tracé vers les lignes de côté, le ballon qui sort des mains de Cousineau avant même que le tracé soit terminé. Et Davidson, c'est un vétéran, il excelle avec le ballon dans ses mains. Il n'a pas essayé de danser, Jean. Il est allé droit devant lui, il est allé chercher quelques verges supplémentaires et surtout en donner un premier jeu à son équipe. Premier essai à la ligne de 19. Ken Davidson, 180 verges de gain en deux matchs contre la balle cette année. La remise au champ arrière à champ de Thomas Arlington qui est de retour, plaqué après un gain d'une verge. Thomas Arlington qui s'est blessé sur sa première course et qui est de retour. Ici, c'était le travail de deux joueurs en défense. Mathieu Massou qui a effectué le plaqué, mais encore une fois, Vincent Deloge, regardez, il est dans le champ arrière. Donc, force Thomas Arlington à se rendre vers les lignes de côté. Et Mathieu Massou qui est l'autre secondaire à l'intérieur pour le Rougeur, lui qui est du côté court. Excelle également, gauche-droite, à beaucoup de vitesse. Jusqu'à présent, l'attaque des deux équipes n'a pas fait de deux et out, comme on dit en bon français, c'est-à-dire au moins un premier essai gagné à chaque fois. C'est nouveau entre ces deux équipes-là. On n'est pas habitué. Gabriel Cousineau la passe derrière son receveur. Maxime Fournier-Rioux. Ici, c'est une erreur du receveur de passe. Lorsqu'on fait un tracé court à l'intérieur, on a toujours la possibilité de s'arrêter dans l'entrezone. C'est ce que Cousineau avait anticipé alors que Fournier-Rioux a poursuivi son chemin à l'intérieur. Hey, le premier quart est déjà terminé. Et les Carabins mènent 7-3 contre le Rouge et Or. Regardez le football universitaire. Ici Radio-Canada, télé. De retour avec Étienne Boulay. Étienne, le Rougeur a mieux commencé la semaine dernière. Mais c'est pas assez pour l'instant. Ben non, c'est pas assez. En fait, on commençait avec, avec un placement à 3 points. Ensuite de ça, la vapeur est redescendue un peu. On a un score de 7-3. Les Carabins font une bonne chose, ils créent des revirements, gagnent du momentum grâce à ça. Le Rougeur, tant qu'à eux, bon positionnement sur le terrain, ce qui est une bonne chose pour eux. Présentement, je pense qu'il y a un peu de nervosité des deux côtés. Il faut que ça se calme un petit peu, que ça devienne un match de football un petit peu plus normal pour chacune des équipes. Merci. Merci. Les statistiques du premier quart à l'avantage du Rouge et Or dans la plupart des catégories, sauf celle du pointage. Un gros revirement dans la zone des buts qui a empêché le Rouge et Or d'ajouter des points. Tout de même, tout un début de match, genre deux équipes. Ce quart est présenté par Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Le premier jeu de ce deuxième quart sera un beauté de dégagement de Félix Ménard-Brière. Son dernier était bon, 43 verges, mais ça avait été tout un retour de Guillaume Rioux. Ça avait donné un beauté net de 18 verges seulement. Est-ce qu'on vise les lignes de côté? Non! On recule jusqu'à la zone des buts et on perd du temps contre le vent et on va donner 2 points. Sage décision, t'as parlé du vent. À chaque match, les Carabins doivent garder en tête leur excellente unité défensive. Et lorsqu'on prend une décision de la sorte, bien, c'est qu'on fait confiance à notre défense et on lance surtout un message de confiance, voilà, à notre unité défensive. Le gagnant de ce match aujourd'hui ira dans l'Atlantique la semaine prochaine. Hein? Est-ce qu'on s'en va au Nouveau-Brunswick? Bon, Allison mène 3-0 contre St. Mary's. St. Mary's, 3 défaites cette saison. Et ils ont 2 défaites, 2 de leurs 3 défaites contre Mont Allison. Exactement. Et en Ontario, hein, Queens qui mène contre Western. Et là, je sais pas ce qui se passe. Western, ici, Montréal, une saison fabuleuse, a battu Queens cette année, mais c'est une équipe très complète, Queens. Billy McPhee, le carrière, Sandberg, Grandberg, voilà le porteur de ballon qui est excellent et surtout une très bonne défense. Premier essai, Rougéa. En plein centre, la course, Guillaume Bourassa va chercher le verge là-dessus.
toute une ouverture créée par la ligne à l'attaque. Vous allez voir, on a formé un mur du côté gauche. Surveillez, lorsque le jeu va se développer, on vient créer un mur ici et l'ouverture est juste ici pour le porteur de ballon. Donc, excellent mouvement. Regardez, il n'y a personne devant Bourassa. Il est rapproché au clair qui avait fait un très bon bloc en bonne position sur Byron Archambault. Donc, bon travail de la ligne à l'attaque et de l'ailier rapproché. Anthony Auclair, un joueur de première année qui était jusqu'à cette année un quart arrière, ancien quart arrière des Cougars de Lennoxville au niveau collégial. L'on a amené un joueur de ligne à l'attaque supplémentaire, Jean-Simon Roy, qui s'amène pour ouvrir le terrain pour Auclair qui gagne le premier jeu et plus. Ou plutôt Antoine Leduc. Antoine Leduc. Et Leduc, j'ai mis là. Je sais pas. C'était deux quarts arrière au niveau collégial. Évidemment, Antoine Leduc, qui a couru à profusion au niveau collégial, avait été le joueur offensif de l'année au niveau collégial première division, particulièrement de par ses prouesses au sol. Et on l'utilise à quelques occasions. Et d'ailleurs, c'est lui qui reste dans le caucus pour le Rouge et Or. Premier essai du centre du terrain. On envoie trois receveurs du côté droit, côté large du terrain, deux à gauche et on a un joueur au champ arrière. Et là, temps d'arrêt demandé par le Rouge et Or. C'est Julian Bailey, le receveur espacé, qui est venu se préparer, s'installer sur la ligne de mêlée et qui a demandé à l'arbitre un temps d'arrêt. Donc peut-être qu'on avait une stratégie particulière qui nécessitait une défense intéressante et on n'a pas vu quelque chose qu'on aimait. Donc Bailey a simplement, en vétéran, arrêté le jeu. Et en première mi-temps, ce n'est jamais un problème, Jean, de faire ça, parce qu'on ne veut pas laisser des temps d'arrêt au tableau indicateur à la fin de la mi-temps. Ce n'est pas transférable à la deuxième mi-temps. Donc, si on n'est pas sûr de quelque chose, si on est en, il nous manque un joueur sur le terrain, pourquoi pas prendre un temps d'arrêt? On va rejoindre Antoine sur les lignes de côté. Alors, des nouvelles de Charles Vaillancourt semblent blesser à la cheville. On travaille très, très fort pour le ramener dans le match. On change, entre autres, ses bandages sur la cheville. Donc, pas encore exclu qu'il revienne. On travaille extrêmement fort. On veut le revoir dans le match du côté du Rouge et Or. À vous. Merci Antoine. Charles Vaillancourt, Jean, 6 pieds 4 pouces, 325 livres et a des pieds de ballerine, se déplace de façon impressionnante. Et c'est en effet, comme Antoine l'a dit, le rougeur espère le revoir dans le match parce qu'il peut faire la différence sur le front. Les pieds de ballerine, ça donne des idées pour son costume d'Halloween de l'année prochaine, ça. La fin de remise et attention, le Duc qui tente de courir lui-même et va frapper un mur après un gain d'une verge. Et là, on demande à un quart arrière qui n'a pas joué cette saison de prendre la décision au dernier moment et de garder ou de remettre le ballon. Exactement. Regardez bien Jean-Samuel Blanc, un des meilleurs ailiers défensifs au pays, qui ne sera pas bloqué. Donc, s'il réagit à l'extérieur, le Duc conserve le ballon et vice-versa. Mais ici, on a vu Blanc s'est amené au centre. Donc, le Duc aurait dû remettre le ballon à Boutin. Fait un peu une mauvaise décision et c'est pourquoi il s'est fait plaquer rapidement. Skinner est de retour dans le caucus pour un deuxième essai et long. Près de 9 verges à aller chercher. Le chasseur, receveur recru au haut de l'écran. 4 receveurs du côté droit au bas de l'écran. On regarde vers le chasseur. La passe, elle est longue. Elle est très longue. Est-ce qu'il y a un mouchoir? Non. Malgré l'opposition des spectateurs, peut-être qu'on a tout simplement décidé que le ballon n'était pas atteignable. Bien, j'ai aucun problème avec la décision de l'arbitre. Les deux joueurs étaient en bonne position, se bataillaient en situation un contre un et les deux ont essayé de jouer le ballon. Donc oui, le chasseur est tombé, mais ce n'est pas avec un contact illégal de Rouyam Ilira qu'il est tombé. Donc c'est parfait, bonne décision. Botté de dégagement de Boris Bédé. Le seul botteur du circuit québécois qui a maintenu une moyenne supérieure à 40 verges cette saison. Ali Endow est là pour le retourner. Bédé a toujours la possibilité de changer de côté de Botté avec l'aide de ses bloqueurs devant lui. Le Botté vers les... Oh, qu'il est bon! Oh, qu'il est bon! À la ligne de 6. Ndao qui tente de déborder à l'extérieur. Oubliez ça, le ballon qui se retrouve en touche. Les Carabins qui partiront profondément dans leur territoire au retour de la pause. Mais en avant, 7-5 pour regarder le football universitaire. Ici Radio-Canada, télé. Un petit noyau bleu dans une mer rouge. Il y en a des partisans des deux équipes. Il y en a, je sais pas, il y a quoi, il y a 13, 14 000 personnes aujourd'hui. Il y avait 9 000 billets vendus avant le début de la semaine. La remise au champ arrière. Les Illosons reviennent vers l'intérieur et va atteindre la ligne de 15 ou tout près.
Vous avez eu un exemple ici de l'importance d'avoir un moteur qui fonctionne constamment sur la ligne défensive à contre-courant. Ici, Thomas Arlington a changé de direction et c'est le côté court du terrain sur la ligne défensive qui est venu faire le plaqué. Donc, on doit toujours poursuivre, être en poursuite constante avec le porteur de ballon et ça va payer lors de situations semblables. Deuxième essai, 7 verges à gagner. On y va avec 4 receveurs. Thomas Arlington au champ arrière. Cousineau regarde du côté droit. Attention, on décide de courir. Droit devant lui, pénalité. Est-ce qu'on a retenu? C'est souvent le cas quand le carrière décide de courir. J'ai vu qu'il y avait Rémi Giguère, le joueur de ligne à l'attaque des Carabins, qui était aux prises avec un joueur de ligne à l'attaque. Il l'a amené au sol juste au moment où Cousineau ça semblait franchi un plaqué. La ligne de mêlée. Donc, c'est peut-être retenu du côté des Carabins. Ça ressemblait à un plaqué sur un joueur de ligne défensive. Dans le jeu, retenu, Montréal. On tire de la distance, deuxième. Ça devient donc un deuxième essai. Et regardez juste ici, en bas de l'écran, on voit le joueur de ligne à l'attaque qui a amené le joueur de ligne défensive au sol en agrippant son chandail. Évidemment, c'est une pénalité pour avoir retenu. Ici, c'est peut-être l'adversaire, le plus grand adversaire des Carabins cette année. Les situations de deuxième et long. On y va avec 5 receveurs de passe, qui est plutôt rare, ça aussi, du côté de l'attaque des Carabins. Gino passe au bout des doigts de Ndao. On a choisi d'y aller à contre-courant, sans succès, et ça sent le 7 à 7. Ici, c'est encore une fois la faute du receveur de passe. Cette fois-ci, il a ralenti. On avait 3 joueurs de ligne à l'attaque qui étaient là pour l'escorter. Donc, il devait venir rejoindre la ligne à l'attaque. Vous allez voir le ballon qui est lancé devant lui. Et c'est à cet endroit qu'il devait être pour donner de la vitesse à Ndao. Celui-ci a hésité et c'est pourquoi la passe a été incomplète. Le batteur de dégagement, Félix Ménard-Brière, qui est dans sa zone des buts. À moins d'un revirement de situation, ce sera le toucher de sûreté qui sera accordé. Tantôt, il a reculé quoi de sa ligne de 7? Évidemment, lorsqu'un batteur accorde un toucher de sûreté, on déduit ça aux verges totales au sol pour l'équipe. Mais tout de même, les Carabins qui ont seulement 2 verges depuis le début du match au sol, ils nous ont habitués à beaucoup mieux. La Brière qui perd le plus de temps possible. Il reste 10 minutes 40 à faire. C'est 7 à 7, l'égalité. Le Vaugéor va reprendre le ballon. On a vu Ménard Brière hésiter. C'est correct d'hésiter de faire écouler du temps. Mais à un moment donné, il faut sortir. On ne peut pas risquer la blessure, évidemment. C'est un joueur crucial pour l'équipe. Et là, doit concéder une demi-seconde et juste sortir en touche pour justement éviter des dommages. Donc, du 35, l'attaque d'Alex Skinner et du Vaugéor s'amorce. On parle toujours des rouges contre les bleus. On a les blancs contre les noirs aujourd'hui. 4 receveurs. Remise aux charrières à Guillaume Bourassa. Plaqué à la ligne d'engagement. Tombe vers l'avant et va chercher une verge, peut-être 2. La recrue de l'année dans la Ligue. Alex Cromer-Raymond, le secondaire numéro 50 des Carabins, qui est venu faire le plaqué. Un autre joueur excessivement rapide à la position de secondaire. Donc 36 plaqués à sa première saison. Vous l'avez vu juste ici, qui est venu compléter le jeu. Deuxième essai. Une véritable machine à plaquer. 158 plaqués au niveau collégial en 3 saisons. C'est excellent. 3 receveurs du côté large du terrain. Un mouvement du côté gauche. Skinner, petite passe voilée. Complété. À Guillaume Bourassa. Premier jeu et plus. Attention, il y a un mouchoir sur le jeu. Bourassa perd le ballon. Le ballon est libre. Rigaud touché par Louis Abelina. Toujours libre. Le ballon finalement récupéré. Carabins profondément dans leur territoire. Mais attendons voir. Le joueur de centre, Pierre Lavertu, qui avait retenu après le gain du premier jeu, verra l'appel ou la décision de l'arbitre en chef, M. Daigneault. Et si on refuse la pénalité pour les Carabins, on reprend le ballon du côté des Carabins. Donc évidemment, oui, c'est un long game, mais on a eu l'avantage de recouvrir ce ballon-là à la toute fin. Donc on demandera à Machocha la décision, mais j'ai bien l'impression qu'il va demander à son attaque de retourner sur le terrain. Hey, est-ce qu'on peut garder la défense de terrain? Non, holding against it. They get your first down.
So it's going to be first down and 10 Laval. Or if you decline the penalty, it's your ball at the 10. Oh, there was enough? No. Yeah, but it's second and 8. Game the other first down. Oh, we'll take the ball. Take the ball. C'était bien. Danny Mathiouchak, il n'avait pas compris que la pénalité avait été attribuée. La punition est refusée. On accepte le jeu. Premier essai, Montréal. Merci, parce que la pénalité était après le gain du premier essai. Mais je ne sais même pas s'il savait que son équipe avait pris le ballon. Donc, regardez ici, une belle stratégie. On a invité la défense à amener de la pression, mais tout un jeu à la toute fin. C'est Fodé Janssen qui est venu donner un coup de poing sur le ballon. William Hillery a tenté de le recouvrir. Même chose pour Morin Plante. Et finalement, j'ai parlé tantôt d'avoir un moteur qui marche constamment. Un joueur qui est arrivé à contre-courant, c'est Alexandre Doucet, le demi de pointe du côté opposé, qui est venu se laisser choir sur le ballon. Deuxième revirement après l'interception dans la zone des buts. C'est ballon perdu après le gain du premier essai. Remise à Grisinozon qui applique les frais, mais sans succès. Arrêté à la ligne de 5, perte de 4 verges. Le joueur dans le football RSEQ avec peut-être le moins de statistiques, mais qui domine le plus, c'est Brandon Tannen. C'est pas lui qui a fait le plaqué, mais il est encore une fois dans le champ arrière. Le gros 91, regardez-le apparaître juste ici. Force Grisilozon à rebrousser chemin. Et c'est tombé dans les bras de Vincent Desloges. Exactement. Donc Vincent Desloges a été dominant, a eu de très bonnes statistiques, mais plusieurs de ces statistiques-là ont été donnés un peu par la bande à Desloges parce que Tannen était constamment dans le charrière cette saison et il est encore. On donne pas de mention d'aide en défense. Non, mais lui, Tannen en aurait quelques-unes. Deuxième essai. Plus de 13 verges à aller chercher. Zino regarde à sa gauche. La passe, elle est longue pour Davidson. Complété, premier essai. On en a parlé, tu en as parlé plus tôt, Charles-Antoine, les deuxièmes et longs. Il n'y avait pas beaucoup de succès du côté des Carabins, mais la semaine dernière, il y en a eu et aujourd'hui aussi. Tracé en coin, donc va chercher une situation un contre un entre Davidson et Jean-Philippe Bolduc. La passe qui est positionnée à perfection juste devant Davidson, qui avait fait un excellent tracé. Regardez-le, il bat sur le changement de direction. Et Davidson contre Jean-Philippe Bolduc, ben, ce sont deux très bons joueurs, mais on donne l'avantage aux Carabins parce que Davidson a déjà fait de gros jeux lors des gros matchs ici en fin d'année. Premier 10 de la ligne de 41, 4 receveurs du côté droit, un à gauche, un joueur au champ arrière, c'est Grisilozon. Cousineau garde le ballon, roule à sa droite, la passe trop haute pour Philippe Henschel. Davidson aurait peut-être pu la capter, mais il était déjà en train de bloquer. Ici, Cousineau est évidemment un peu excité avec le long jeu. Il doit tout de même, lorsqu'il est en dérobade, lorsqu'il est en mouvement, au moment de lancer, il doit ralentir son geste et garder ses pieds sous son corps, évidemment pointé dans la direction de sa cible. Ici, a précipité un peu son geste et a négligé sa technique. C'est pourquoi cette passe qui semblait facile a été lancée un peu trop haut. Deuxième essai 10. Davidson s'en va à nouveau du côté droit, à l'intérieur. À l'extérieur, au haut de l'écran, c'est Fournier Rioux. Ali Endor est au bas de l'écran, près du chiffre 40. Cousineau cherche la passe, dévié à la ligne d'engagement. Intercepté! Rougéard, revirement! On avait Davidson dans les entre-zones, on avait tracé à l'intérieur. Et cette fois-ci, il n'a pas fait l'attraper. Le ballon qui est revenu dans les airs et Abel Boucher, qui lui a saisi sa chance, est venu saisir le ballon près du sol. Donc le ballon était lancé un peu haut, mais Davidson nous a habitués à des attrapés spectaculaires. C'est plutôt le demi-défensif qui a fait tout un catch en allant chercher le ballon très près du terrain. Abel Boucher, joueur de cinquième année, qui ne veut pas que ce soit son dernier match, redonne le ballon à son équipe au centre du terrain. On a trois joueurs au champ arrière, trois receveurs de passe. La remise au champ arrière, à Boutin. Ballon qui semblait bouger un petit peu dans ses mains, mais il a gardé le contrôle après un gain de près de 5 verges. Formation en diamant, donc trois porteurs de ballon, les deux bloqueurs qui se dirigent du côté droit, donc on donne une clé un peu aux Carabins. Oh, que le ballon a bougé! Ouais, Baron Archambault qui est venu faire le plaqué et qui a probablement donné un petit coup de poing sur le ballon, mais Boutin qui le conserve et un gain de 4 ou 5 verges. Et c'est ce qu'on a besoin des deux côtés. Si on se met en situation de deuxième et 4, 5 ou 6, le livre de jeu qui s'ouvre tout grand et qui permet aux coordinateurs à l'attaque d'avoir une sélection beaucoup plus vaste de jeu. Deuxième essai 5. Skinner regarde à sa droite, passe rapide, complété à le chasseur. Le chasseur au 35, toujours debout, à l'intérieur, plaqué à la ligne de 25. Premier essai.
J'ai parlé des tracés courts à l'intérieur. Cette fois-ci, le chasseur qui a pris la bonne décision. Donc, s'est amené ici. Il aurait pu continuer, mais s'est assis près des lignes de côté. Le ballon qui a été lancé à l'extérieur et qui a permis à le chasseur d'aller chercher des verges après l'attraper. Juste ici. Belle lecture de défense et on s'assoit dans la zone courte du côté de la chasseur. Un excellent jeu d'un joueur recru. Il essaie le ballon à la ligne de 24. Remise à Lachard. Lachard, toujours debout. Lachard va atteindre la ligne de 15. On crée de l'hésitation pour la défense adverse. On amène du mouvement derrière la ligne de mêlée. On regarde un joueur qui n'est pas bloqué. On fait une lecture. Regardez les yeux. On ne voit pas les yeux de Skinner, mais la tête qui se dirige vers l'ali défensif. Et ça libère le centre, évidemment, parce que le joueur est un peu hésitant. Et Pascal Lachard, encore une fois, tout en puissance, va chercher 9 verges au premier essai. Deuxième essai, une verge, mais c'est Skinner qui reste là. Est-ce qu'on prend une chance dans la zone début? On y va d'abord chercher le premier essai. Skinner, la remise à Lachard. Lachard gagne le premier essai. Et on dit souvent aux porteurs de ballon de lire, une drôle d'expression, mais de lire les fesses de ces joueurs de ligne à l'attaque. Donc regardez l'angle que les fesses et le dos des joueurs de ligne à l'attaque prennent lorsqu'ils initient leur bloc. Et c'est pourquoi ici, regardez Lachard, dernier moment, fait un petit changement de direction du côté gauche et conscient qu'il a seulement besoin d'une verge. Donc va chercher la petite ouverture qui lui permet de gagner le premier essai. Ballon à la ligne de 12, donc le Rouge et Or qui peut gagner un premier essai sans entrer dans la zone début. La remise à Lachard du côté droit qui revient à l'intérieur. Toujours debout, Lachard. Et qui va aller chercher des verges supplémentaires. Va peut-être atteindre la ligne de 6 avec un gain de tout près de 6 verges. Encore une fois, ici, c'était l'ailier défensif Jean-Samuel Blanc qui était laissé fin seul. On faisait une option sur lui. Donc, vous avez vu comment il a convergé rapidement. Donc, attendez-vous peut-être à voir Skinner prochainement conserver le ballon. Parce qu'on voit que Blanc triche vers le porteur. Et la faiblesse du côté défensif serait si le quart conserve le ballon dans les zones extérieures. Deuxième essai, un peu moins de 5 verges à aller chercher. Trois receveurs du côté gauche, Faubert Lucier, Morin Plante, Guillaume Rioux. Deux receveurs à droite. Skinner roule à sa gauche et remet de l'autre côté. Attention, Boutin, plaqué par derrière, perte de terrain. Faudé Janssen au plaqué. On a fait une feinte de dérobade du corps du côté large. Donc on s'est dit, on va influencer le flow de la défense. Regardez tout le monde qui bouge avec Skinner, mais aussi les demi-défensifs du côté adverse qui bougent. Et lorsqu'ils sont en mouvement, Janssen se rend compte que le ballon a été remis à Boutin et est finalement en bonne position pour faire le plaqué. Tentative de beauté de placement de 22 verges de Boris Bédé pour donner les devants au Rouge et Or pour la deuxième fois du match. Remise de Pierre-Luc Caron est bonne. Le beauté est réussi. 10-7, le Rouge et Or reprend les devants pour regarder le football universitaire. Et c'est Radio-Canada Télé. Le face-à-face est une présentation de location d'outils Simplex. Les deux quarts jusqu'à présent jouent un solide match. Cousineau 7 en 11 pour 104 verges, une interception. Skinner 9 en 13, 192 verges déjà, mais une interception, aucune passe de toucher. Et ces statistiques témoignent de la confiance qu'on donne finalement aux deux quarts de ces deux équipes respectives-là. Non seulement on leur permet de lancer le ballon, mais aussi d'avoir une variété de jeux. On n'est pas seulement en zone courte, on a vu des passes profondes, on attaque le centre, le périmètre. Donc les deux quarts jouent avec confiance, mais parce qu'on leur donne finalement confiance. La défense du Rouge et Or, la meilleure contre la course, le démontre à nouveau aujourd'hui. Passe à remise à Crisy-Lauzon qui revient à la ligne d'engagement. Pas de gain. L'attaque au sol des Carabins, toujours dans le négatif avec les points accordés sur les touchés de sûreté. Il faut donner, l'avantage au Rouge et Or en termes de poursuite. On est constamment en poursuite. Regardez à contre-courant, on a Shane Gauthier, on a Vincent Deloge, Mathieu Massieu qui était près du jeu. Donc on joue avec beaucoup d'urgence, on joue avec beaucoup d'intensité. Et même si le jeu est du côté opposé, on offre toujours une performance constante. Deuxième essai et 10. Cousineau regarde à sa droite. La passe. Oh! Presque intercepté. Matt
Mathieu Masseau, le secondaire. Et à un moment donné, par contre, il faut changer notre approche au deuxième élan. Ça faisait trois fois qu'on y allait pour le tracé extérieur sur le deuxième essai. Ça fonctionnait. Mais là, cette fois-ci, Mathieu Masseau, qui est allé, il s'est élargi beaucoup plus rapidement, avait flairé la stratégie parce qu'il s'était fait battre deux fois au préalable. Et ça avait passé bien près d'être une interception pour six points pour Mathieu Masseau, le secondaire du Rouge et Or. Botté de dégagement contre le vent. Félix Ménard-Brière. Guillaume Rioux pour le retourner. La remise est bonne. On botte le plus loin possible de Rioux, mais c'est un botté court qui va bondir jusqu'à la ligne de 50. Il n'y aura pas de retour là-dessus. La foule manifeste, mais il n'y aura pas de... Oui, il y a une pénalité, il y a un mouchoir sur le jeu à la ligne de 50. On saura c'est quoi au retour de la pause. 17, le Rouge et Or en avant. Vous regardez le football universitaire. Ici Radio-Canada, télé. À la mi-temps, notre ami Serge se prononce pendant que Étienne va décortiquer ce qu'il a vu de cette excitante première demi. Et le RSEQ va nous raconter ce qui s'en vient dans le monde du sport. Monsieur le Président qui est de passage. Quand le président se déplace au RSEQ, c'est comme le reste, là, c'est important. Très important et en effet, l'annonce est très importante. On est habitué de voir des grands événements en football. Évidemment, la Coupe Dunsmore qui est présentée ici depuis plusieurs années. Mais là, il y a un autre gros événement en basketball qui s'en vient pour l'Université Laval. Premier essai au milieu de terrain. Trois receveurs en mouvement pour le Rouge et Or. Skinner à contre-courant, le chasseur. Passe complétée à la ligne d'engagement. Le chasseur va chercher Diverge. Et le premier essai avant d'être plaqué par Anthony Cody. Et à l'image de Vincent Desloges, plutôt dans le match, David Ménard avait flairé la stratégie, s'est rendu rapidement vers le receveur lorsqu'il s'est rendu compte que son bloqueur était là. Mais regardez la feinte de le chasseur, un joueur de première année très grand, d'excellente main, mais qui également se déplace très bien ici. Une superbe feinte. À l'intérieur du territoire des Carabins, à la ligne de 44. Premier essai Rouge et Or, à nouveau avec trois receveurs et un joueur au champ arrière. C'est Guillaume Bourassa qui prend le ballon, qui frappe le mur. David Ménard, c'est le dernier jeu avant le temps d'arrêt réglementaire des 3 minutes. On s'en va en pause. Le Rouge et Or a pris les devants 10-7. Vous regardez le football universitaire, c'est Radio-Canada Télé. Quelle belle journée de football, d'un Atlantique à l'autre, comme disait le plus jeune entraîneur de l'histoire du Canadien, M. Claude Ruel. C'est 10-10 dans l'Atlantique. Entre Mont-Allison et St. Mary's, c'est 13-5 pour l'équipe numéro 1 au Canada, les Mustangs de Western, qui ont devancé les Golden Gales de Queens. Toute une saison pour Western, plus de 458 points marqués en 8 matchs. Deuxième essai, 8 verges à gagner pour le Rouge et Or. Skinner cherche côté gauche, attention, la petite passe voilée. Oh, que c'était dangereux! Jacques, dans mon plan de match, je parlais de cette demi-seconde d'hésitation. Bien là, on a fait une permutation en couverture, donc... Skinner n'a pas aimé ce qu'il a vu du côté gauche, a dû précipiter son geste parce que la pression se rendait finalement à lui. Et regardez, a négligé encore une fois un peu sa technique, a lancé seulement avec son avant-bras. Et c'est pourquoi, pourquoi la passe manquait de précision. Et qu'il y avait de l'espace. Ça me semble qu'il aurait peut-être pu courir. Là, évidemment, la pression des Carabins, ça joue un rôle stratégique, mais ça joue également un rôle mental. Le carrière qui sait qu'il y a une horloge de 3-4 secondes sur chaque jeu, et parfois, ça fait qu'on précipite nos gestes. Botté de dégagement de Boris Bédé. Attendu dans la zone début. Botté en manque. On a tenté de botter. Est-ce qu'on a touché au batteur? Il n'y a pas de mouchoir. Boris Bédé, qui était certain qu'il allait avoir une pénalité, qui a applaudi, était certain qu'il y avait pénalité, mais M. Daigneault avait les yeux dessus. Il est en excellente position. Si la mécanique du botteur est terminée, on n'appelle pas de pénalité. Je pense qu'il n'a même pas touché. Et c'est un bon comédien. Les botteurs de dégagement apprennent à se laisser choir au sol pour influencer la pénalité. Mais M. Daigneault qui a probablement jugé que le geste du botteur était complété. Et de toute façon, j'ai l'impression... que Boris en a peut-être mis un peu en se disant que le joueur arrivait de l'autre côté. Ça se pouvait que l'officiel ne le voit pas. Il était très bien placé, M. Daigneault, et c'est l'arbitre en chef. Mais à nouveau, les Carabins, grâce au bon botté de Bédé, doivent partir profondément dans leur territoire avec une attaque au sol qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. La remise. Chanta Marnington qui attend des bloqueurs, qui attend... et qui va se rendre à la ligne de 10 avec un gain d'une verge.
peut-être deux. On parle souvent de la garde des tranchées sur les jeux au sol, mais là, c'est un jeu au sol. À l'extérieur, il y a aussi la garde des tranchées des receveurs et des demi-défensifs. Regardez bien les demi-défensifs du Rougeard qui ont repoussé les receveurs des Carabins derrière la ligne de mêlée. Les receveurs de passe, c'est pas des vrais bloqueurs. Ça, c'est pas vrai, Jean. Ça, ce n'est pas vrai. On enseigne les mêmes techniques qu'aux joueurs de ligne à l'attaque. Et souvent, tu le sais, sur les longs gains, c'est les receveurs qui font la différence. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Deuxième essai, Siberge a gagné. Deux receveurs du côté gauche, deux du côté droit. On rajoute un joueur sur la ligne d'engagement. Au champ arrière, c'est Chantham Arlington. Isno regarde. Passe complétée à Aliendao. Sort en touche après avoir gagné le premier essai. Tracé extérieur très bien couru par Aliendao. Et même si c'est une passe de Siberge, c'est parmi les tracés les plus difficiles à lancer pour un corps arrière parce qu'il faut anticiper le mouvement vers l'extérieur du receveur. Et surtout, on a un espace très limité entre ce même receveur et les lignes de côté. Donc, bien fait, on va chercher les verges nécessaires pour un premier jeu. La ligne de 22, mais il reste moins de 2 minutes à jouer. Il ne faut pas oublier les lignes de côté. Si on est en mesure de sortir et d'arrêter le temps, bien, on va se donner un petit avantage du côté des Carabins. Quatre receveurs du côté large du terrain. Fin de remise. Cousineau roule à sa droite. La passe, elle est longue. Au-dessus du receveur, Maxime Fournier-Rioux qui était suivi à la trace. Cousineau a pris beaucoup trop de temps pour décocher. On lui demandait de bouger, mais si on fait un tracé comme celui de Fournier-Rioux vers les lignes de côté, il faut qu'il y ait une anticipation. Il faut que le ballon sorte avant la fin du tracé du receveur. Sinon, comme tu l'as mentionné, le demi-coin va revenir et être en très bonne position. Ça prend une confiance incroyable. Une passe de près de 45 verges pour aller chercher un peu plus de 12 verges. Deuxième essai, 10. À nouveau, Fournier-Rioux s'en va au haut de l'écran. Receveur éloigné. À l'intérieur, c'est Davidson qui est en mouvement. Remise haute, bien récupérée par Cousineau. Cousineau s'en va du côté gauche. Décoche sa passe au-dessus de Davidson. Mais là, c'était loin d'être facile. Lancé à contre-courant avec deux joueurs qui poursuivent. Exactement, parce que si on est à contre-courant, il faut quand même prendre une demi-seconde pour se repositionner. Vous allez voir la pression qui était assez forte. C'est pourquoi Cousineau a sorti et Tennant était tout prêt. Donc, vous avez vu, il s'est seulement servi de son coude, de son avant-bras. Et à toutes les fois qu'un carrière fait ça, habituellement, on va manquer de précision parce qu'on doit toujours impliquer le bas de corps dans une passe. C'est comme dans n'importe quoi. On est beaucoup plus fort des jambes que du haut de corps. Là, le botteur de dégagement est à sa ligne de 7. La dernière fois, ça a donné un toucher de sûreté. Avec une minute, un peu moins d'une minute 40 au tableau, qu'est-ce qu'on fait? On déploie deux joueurs en couverture, on pourrait botter. Non, on donne les 2 points. Et là, il va vraiment essayer de prendre le plus de temps possible. Il va sortir, il va rester à peu près 1 minute 30 au tableau. Et Rouge et Or ajoute 2 points, c'est 12-7. Dans l'optique où la défense, la solide défense montréalaise arrête le Rouge et Or, bien, la décision vient prendre beaucoup de sens parce que c'est les Carabins qui ont l'option à la deuxième mi-temps. Donc, on devrait évidemment recommencer le match avec le ballon ouais, après la là, pause. Ouais, mais là, tu perds, ça te prend un toucher au lieu d'un placement pour créer l'égalité. Mais il y a de bonheur dans le match. C'est beau le football, on peut jouer au gérant d'estrade tant qu'on veut. 1 minute 33 au tableau indicateur. Je pense qu'on a pris en considération, Jean, aussi le vent. On avait le vent dans le visage, le vent qui est tourbillonnant. Donc, dès que le vent est tourbillonnant, la spirale doit être parfaite. Et une spirale parfaite sur un botté, c'est beaucoup plus difficile que sur une passe. Est-ce que le Rouge et Or pourra accumuler suffisamment de terrain? Attention, ballon échappé, récupéré par Skinner qui décide de courir. Skinner va presque aller chercher le premier jeu là-dessus. Il va aller chercher 8 verges. Et depuis tantôt, l'allié défensif qu'on laissait libre avait tendance à tricher. Donc cette fois-ci, là, on a suivi le porteur de ballon très, très activement. Et même s'il y a eu une petite erreur au niveau de la remise, bien, le côté opposé du porteur de ballon qui avait été laissé vacant, une bonne réaction cette fois-ci de Skinner, qui est allé droit devant lui et qui a mis son équipe en situation de deuxième écho. Le jeu qui n'a même pas pris 10 secondes. Deuxième essai. 2 verges à gagner. 4 receveurs du côté droit. Attention, Faubert, Lucier s'en vient en protection. Remise à Guillaume Bourassa. Premier jeu et plus au centre du terrain. Un nom qu'on
qu'on n'a pas appelé encore, c'est celui d'Antoine Pruneau. Pourquoi? Il y a tellement de mouvement dans le champ arrière. Regardez-les juste ici. Il est hésitant et sur les talons en mouvement lorsque le jeu débute. Et c'est un secondeur, donc le centre de la défense qui est affaibli lorsque Pruneau n'est pas actif vers l'avant. Et c'est ce que ça donne, les formations multiples du Rouge et Or et le mouvement avant le début du jeu. Premier essai et 10. Trois receveurs du côté droit, du côté large du terrain, deux à gauche. Fin de remise. Skinner regarde la passe. Elle est longue. Elle est très longue. Pour Ryu qui ne peut conserver le ballon jusqu'au tapis. Et les Carabins qui ont été chanceux parce que le maraudeur Anthony Cody, il avait seulement un tracé vertical à couvrir du côté large du terrain et est resté au centre. Donc, aurait dû se diriger beaucoup plus rapidement pour donner un coup de main à Jonathan Busserette. Et malheureusement, Ryu, qui n'a pas mis son corps entre le ballon et le sol lorsqu'il a complété son mouvement. Donc, j'ai l'impression que le sol juste ici qui a causé l'échappée. Deuxième essai et 10. Ryu et Morin plantent au coin gauche de l'écran. Les receveurs du côté large. Skinner roule de ce côté. Skinner cherche la passe. Complétée. Yannick Morin plante qui était complètement seul. Non, c'est incomplet. Le ballon aurait touché le sol. Il était dos à nous, je ne l'ai pas vu. Ce n'était pas une passe facile pour Alex Skinner qui avait très bien fait. On avait un tracé court et deux joueurs qui couvraient ce tracé court. Donc, comme une belle touche par-dessus les deux demi-défensifs des Carabins. Oh. Et lui aussi... Oh, qui va s'en vouloir. On doit évidemment sécuriser l'attraper, mais ensuite mettre les deux coudes autour du ballon et surtout se laisser tomber sur le dos. Il faut vraiment protéger le ballon et qu'il n'ait aucun contact avec Coudon, le sol. Ça a bien l'air facile, faire ça. Ben, c'est pas facile, mais c'est ce que ces joueurs-là pratiquent depuis plusieurs années. Et dans un match comme ça, avec une superbe passe d'Alex Skinner, on doit le faire l'attraper. Joueur de cinquième année, Yannick Morin-Plante, repêché par la Ligue canadienne. Botté, qui va bondir près de la ligne de 20. Bondit profondément, il va sortir en touche. Encore une fois, à l'intérieur de la ligne de 10. Excellent beauté de Boris Bédé. Et pensez pas que c'est par hasard que le ballon roule progressivement vers les lignes de côté. Tout est calculé, l'angle du ballon, la trajectoire du ballon et surtout comment il va entrer en contact avec le sol. Donc si, par exemple, le ballon entre en contact à angle, mais il va tourner de côté opposé, ici, il s'est laissé choir sur le terrain. C'est ce qui a permis le roulement progressif vers les lignes de côté. Boris Bédé qui est complètement en contrôle de ses bottés de dégagement cette saison. Le fameux botté du dard, lancé du dard dont tu nous parlais plus tôt. Il va déposer le ballon pratiquement au même endroit qu'il le ferait avec ses mains. Moins d'une minute, les Carabins profondément dans leur territoire là, doivent gagner un premier jeu. On a tout de même deux temps d'arrêt à notre disposition pour les Carabins. Cinq receveurs de passe, un joueur au champ arrière. La remise à Thomas Erlington. Erlington revient dans l'intérieur. Franchit la ligne de 15 jusqu'au 16. Ça va être un gain de 6 verges. Cette fois-ci, c'est Édouard Godin qui est maintenant sur l'unité partante. Il n'était pas à ce poste-là en début de match. Mais là, il est venu à contre-courant saisir Thomas Erlington au niveau des hanches. Édouard Godin, c'est un joueur recru, un ancien du collège Notre-Dame-de-Foy ici à Québec. Deuxième essai important. Est-ce que le Rouge et Or va reprendre le ballon avant la fin de la demi? Remise à nouveau au champ arrière. Premier essai gagné par les Carabins. Et avec une vingtaine de secondes à jouer, il s'assure au moins de garder le ballon s'il n'y a pas de revirement jusqu'à la fin de la demi. C'est ce qu'on va faire ici. On va écouler le temps. J'ai pas l'impression qu'on va risquer de longs jeux pour potentiellement se mettre en position pour un placement. Bonne première demi pour les Carabins. Une excellente première demi ici pour Laval. Donc, Carabins garde en tête qu'ils reprennent le ballon à la deuxième mi-temps. Donc, on va finir la mi-temps avec le ballon sans ne risquer trop. Enchil et Endao, les receveurs au haut de l'écran. Davidson. De l'autre côté, on remet à nouveau à Sean Thomas Erlington, toujours debout, franchit la ligne de 25, il va rester un jeu s'il n'y a pas de pénalité. Probablement mettre un genou au sol. Il n'a pas eu beaucoup de pénalités. Non, et c'est les Carabins qui... C'est une des raisons pourquoi ils sont dans une relativement bonne situation, parce que c'était en saison régulière l'équipe la plus pénalisée. Du côté du Rouge et Or, ben, c'est un peu... Ce qui est arrivé la semaine dernière contre Sherbrooke, 116 verges de pénalité en première mi-temps contre le Varéard. On s'était
à Sagi à la deuxième mi-temps. Mais aujourd'hui, les deux équipes font preuve de beaucoup de discipline. 4 pénalités, 27 verges contre les Carabins. 2 pénalités, 15 verges. Une qui a fait mal cependant au Rouge et Or dans la zone des buts. Ça a mené éventuellement au toucher des Carabins. Le Rouge et Or est en avant, 12-7. On va rejoindre Antoine avec Glenn Constantin. Le commentaire du coach est une présentation de Let's Go Sport. Let's Go Sport, ce qu'il vous faut pour continuer de performer. Glenn Constantin, avant le match, vous me disiez en défense, plus de discipline, plus de passion à l'attaque. Êtes-vous satisfait pour l'instant de ce que vous avez vu en première demi? Oui, en effet. Je pense qu'on joue du bon football sur toutes les phases de jeu. Special teams, évidemment, ça va très, très bien. Offensivement, on bouge le ballon. Il faut finir nos poussées défensivement pour la première drive. Je pense qu'on s'est bien ajusté. On joue du bon football. Est-ce que c'est la meilleure demi d'Alex Skinner comme quart? Écoute, je pense que ça va bien. Il fait des petites erreurs. Il est un petit peu nerveux, mais je pense que ça va bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'arrête pour une pause à la mi-temps. Le Rouge et Or de l'Université Laval mène 12-7 contre les Carabins de l'Université de Montréal. Vous regardez le football universitaire. Ici Radio-Canada, télé. On voit les partisans survolter du Rouge et Or qui ont accueilli il y a quelques instants leur équipe sur le terrain pour cette deuxième demi. Leur équipe qui est prête, qui a connu de bonnes deuxièmes demi depuis en fait le début de la saison. C'est vraiment les premières demi qui ont été difficiles, mais ils mènent 12-7 face aux Carabins qui ont quand même bien fait dans les circonstances. Et je crois que le discours de Danny Machocha a dû être assez intense parce que les joueurs sont arrivés un peu plus en fait en retard de quelques minutes. J'imagine qu'on avait des choses à se dire et on voulait sortir très, très fort. On va rejoindre d'ailleurs Antoine Deshayes qui est en compagnie de l'entraîneur des Carabins. Le commentaire du coach est une présentation de Let's Go Sport. Let's Go Sport, ce qu'il vous faut pour continuer de performer. Avec Danny Machocha, Danny, vous avez gagné la Coupe Grey, vous connaissez les matchs de championnat. Que doit faire votre équipe en deuxième mi-temps pour l'emporter aujourd'hui? Mais il faut jouer du bon football, c'est clair, c'est pas compliqué, il faut exécuter, il faut essayer de créer des revirements, puis de compter des points quand on se trouve dans une zone payante. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait à place de la première, sauf la première série quand on a débuté le match. Alors, puis on ne peut pas se permettre de jouer avec notre dos près de notre zone de but. Alors, on a du travail à faire, mais... je connais le caractère de nos jeunes, puis je suis convaincu qu'ils vont bien performer. Depuis le début de l'année, vous avez deux bons carrières. Pourquoi aujourd'hui, c'est Gabriel Cousineau qui a eu le départ? Qu'est-ce qui a fait la différence? Mais Gab a eu une meilleure semaine de préparation pour nous. Merci beaucoup. Merci. Le botté d'envoi, une présentation de Jaff, prêt à porter. Danny Machocha faisait allusion à la position sur le terrain. 5 fois en première demi, les Carabins sont partis de leur ligne de 11 ou plus profondément encore. C'est difficile pour n'importe quelle attaque. C'est peut-être encore plus difficile pour une attaque qui ne peut courir parce que face au Rouge et Or jusqu'à présent, on ne court pas. Oui, on a tout de même bien fait par la passe et une chance parce que depuis le début de l'année, tu l'as mentionné, tout était axé sur le jeu au sol. Pas seulement le jeu au sol, il y a également le jeu de passe qu'on faisait, qu'on préconisait, qui venait d'une progression tactique des jeux au sol. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, donc on doit y aller avec le bras de Cousineau, mais on n'abandonnera pas le jeu au sol aussi facilement. Pourquoi? C'est notre identité. Et c'est très important pour un coordonnateur d'avoir une identité claire. Et dans un gros match comme ça, on ne peut pas défier complètement de cette identité. Boris Bédé qui se prépare à effectuer le botté de reprise. Antoine Pruneau et Alien Dao l'attendent. Leur ligne de 5. Bruno, comme tu l'as mentionné en première demi, on n'a pas dit son nom souvent. Il est le joueur défensif par excellence au Québec cette année. Il va le surveiller. Botté. Captain la ligne de 10 par Ali Endao. Endao qui s'en va du côté droit. Revient vers l'intérieur. Atteint la ligne de 18. À nouveau, c'est pas une position très, très confortable. Et une... Ce quart est présenté par Subway. Les restaurants Subway, fiers collaborateurs du RSEQ. Subway, mangez frais. Laval, les Saint-Verges, nous ont indiqué au 45. On reprend le botté d'envoi.
On reprend le botté parce qu'il y a eu hors-jeu. Un joueur qui a dépassé le botteur, c'est rare, évidemment. Ça. C'est très rare. Et l'autre élément là-dedans, c'est que pour les deux équipes, mais particulièrement pour l'équipe en couverture, c'est qu'on vient de se taper un sprint de 80 verges environ. Et là, il faut retourner, prendre notre souffle. Et c'est à ce moment-là, parfois, qu'on peut faire des erreurs. Et là, on regarde les carabins qui inversent le positionnement des deux retourneurs. C'est maintenant Pruneau qui est du côté court. Le botté qui est au centre, le ballon qui est au centre. De quel côté Bélé va choisir le botté? C'est bien réussi. Et à nouveau, ça va être capté tout près de la ligne de 10 par Ndao. Ndao s'en va du côté droit. Tente de déborder. Revient vers l'intérieur. Toujours debout à la ligne de 30. Tente de s'en aller de l'autre côté. Va atteindre la ligne de 36. Et ça va être la meilleure position de départ pour l'attaque des Carabins dans le match. Yannick Morin-Plante, le receveur, et Adam Thibault, l'ancien receveur maintenant demi-défensif, qui sont arrivés près des lignes de côté avec beaucoup de vitesse, mais qui n'ont peut-être pas assez ralenti leurs pieds et n'étaient pas en contrôle. Et Ndao qui a fait de très belles feintes pour faire manquer le premier plaqué sur Pascal Lochard plutôt et le deuxième sur Adam Thibault. Premier essai 10. Ndao qui s'en vient. Au bas de l'écran, receveur éloigné. Fournier, Rioux et Davidson sont de l'autre côté. Il y a trois receveurs du côté large. Cousineau regarde. Il va profondément, très profondément. Oh! Dans les ajustements, Maxime Fournier-Rioux qui regardait le ballon, qui a arrêté de courir, qui regardait le ballon, qui hésitait. Et cette fois-ci, c'est le Rougeard qui sont chanceux parce que Maximilien Ducap a fait ce qu'un demi-défensif ne doit jamais faire, et c'est de regarder le ballon. Il est en position de reculant. Il regarde le ballon et il s'est fait prendre au jeu. Maxime Fournier-Rioux qui a manqué un attrapé qui l'aurait certainement amené jusque dans la zone des buts. Deuxième essai 10. On inverse les receveurs. Ndao s'en va. Au haut de l'écran, receveur éloigné. Il y en a deux du côté court. Cousineau regarde à sa droite. Attention, la pression. Cousineau décide de courir. Feinte de passer. Toujours debout. Gagne le premier jeu et plus en territoire du Rouge et Or à la ligne de 53. Très belle présence d'esprit. Donc, énormément de pression sur le périmètre. Donc, Cousineau n'a pas tenté d'aller à gauche ou à droite. Il est allé au centre où la petite pochette protectrice s'était formée. Et regardez sa petite feinte de passe. C'est suffisant pour ralentir le demi-défensif et aller chercher plus de 20 verges après avoir fait manquer sa plaquée. Premier essai en territoire du Rouge et Or. Fournier-Rioux et Davidson s'en vont au haut de l'écran. Les receveurs du côté gauche, il y en a un seul, Ndao du côté droit. Cousineau, attention, la pression à nouveau est forte. Et Cousineau va détaler à nouveau du côté gauche. Cousineau, on le fait trébucher, il tombe à la ligne de 46, presque 45, ça va être un gain de 7 verges. Et une autre belle réaction, mais on a manqué la possibilité de compléter un long gain. Regardez bien Alexandre Dupuis qui s'en va sur un tracé vertical et qui était libre entre les deux zones, dans la zone intermédiaire et la zone profonde, juste ici au centre. Mais la pression s'est amenée à Cousineau et encore une fois, a fait preuve de beaucoup de calme et a avancé dans sa pochette protectrice avant de prendre la décision de courir. Deuxième essai, 3 verges à aller chercher. Cousineau peut-être un peu essoufflé après deux courses. Remet le ballon à Crisy Lauzon, droit devant lui. Crisy Lauzon toujours debout. Crisy Lauzon gagne le premier jeu. Le secondaire du Rougeur ici, si je ne m'abuse, c'était Shane Gauthier qui est en position parfaite. Donc, on l'avait laissé fin seul au deuxième niveau. Mais Crisy Lauzon qui ne tombe rarement derrière. Donc, va souvent gagner des verges supplémentaires après le contact initial. Vous allez voir, au deuxième niveau, c'est une situation 1-1. Et c'est plutôt Abel Boucher, le demi-défensif. Et évidemment, Crisy Lauzon, j'en ai parlé tantôt, fait plus de 235 livres et a un centre de gravité très bas. Et là, il doit quitter naturellement parce qu'il a perdu son casque sur le jeu. Il doit passer les trois prochains jeux sur les lignes de côté. Premier essai Carabin à la ligne de 40 en territoire du Rouge et Or. Deux receveurs du côté large du terrain au bas de l'écran. Un seul à Ndao et de l'autre côté. Deux joueurs sur la ligne de mêlée pour ajouter à la protection. La passe de Cousineau complétée. À la ligne de 30 avec un gain de tout près de 10 verges. Est-ce qu'on va lui donner le premier essai? Je pense qu'il va lui manquer un demi-ballon. J'aime la patience de Cousineau. Il fait ses lectures de façon appropriée. Avec deux tracés courts, un tracé au deuxième niveau. Et évidemment, il sait qu'il y a son dépanneur dans les flancs adverses. Donc, lorsqu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu au deuxième niveau, il est revenu à son receveur dépanneur, a gagné des verges, a permis à son équipe de potentiellement gagner le premier jeu, mais surtout d'être en bonne position pour un placement si on ne convertit pas le deuxième jeu.
Deuxième essai et un ballon à aller chercher. Cousineau. Et on a attention, bougé. Ça a bougé de tout bord, tout côté. Le garde à droite qui a devancé le centre et qui est entré en contact avec le joueur adverse. C'est pourquoi le jeu s'est terminé avant même que le ballon soit remis au quart. Procédure. Montréal. Finition de 5 verges. Deuxième. Ça devient donc un deuxième essai. 5 verges à gagner. 5 verges et un ballon. Il change complètement la stratégie. Alors, regardez le garde à droite qui est dans la zone neutre. Et là, on avait sur le terrain pour le deuxième écoule un joueur de ligne défensive, Junior Luke, et un sixième joueur de ligne à l'attaque, Lloyd Constant. Mais là, on doit changer de personnel. On y va plutôt avec des ailiers rapprochés. Il doit y aller avec un jeu un peu plus long. Trois receveurs de passe, un joueur au champ arrière. Cousineau, regarde, la passe sur les lignes de côté. Complétée par Maxime Fournier-Rioux qui a jonglé avec le ballon, mais qui l'a récupéré à temps pour gagner le premier jeu. Et ça, c'est une chose que nous permet Gabriel Cousineau que Varejji n'est pas nécessairement capable de faire. Attaquer les lignes de côté adverses avec une passe avec énormément de vélocité. Donc, c'est un tracé court, mais vers l'extérieur, du côté large du terrain, une autre passe de près de 40 verges pour en gagner 6. Très bien exécuté. Premier essai à la ligne de 27. Ndao et Enchil, deux receveurs du côté gauche. Davidson et Ryu du côté droit. Un joueur au champ arrière. Cousineau roule à sa droite. Petite passe, voilà, Crisé-Lauzon. Crisé-Lauzon revient du côté droit à la ligne de 20. Va aller chercher près de ses verges, mais j'avais l'impression de voir un trou au centre, un espace au centre. Mais c'était le jeu qui était appelé depuis le début. Pourquoi? Parce qu'on avait deux joueurs de ligne devant le porteur de ballon. Donc, si les joueurs de ligne sont dépassés la ligne d'engagement, on ne peut pas faire une passe avant. Ce sont des receveurs inadmissibles. Dans ce cas-ci, c'était prévu la passe qui a été faite rapidement à Crisé-Lauzon derrière la ligne de mêlée. Deuxième essai, plus de 4 verges à gagner. À nouveau, Crisé-Lauzon au champ arrière. Deux receveurs à gauche, un à droite. La remise à Crisé-Lauzon qui attend ses bloqueurs, mais qui a semblé trébucher le ballon, il peut échapper, mais on avait déjà sifflé. Brandon Tennant, encore une fois, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est se faufiler entre le garde et le joueur de centre, entre les deux corridors de zone, encore une fois, dans le champ adverse, lorsque le porteur reçoit le ballon. Regardez le 91, et le ballon qui a été tiré des mains de Crisé-Lauzon... Mais le coup de sifflet avait été entendu. On déjà avait jugé que la progression du porteur de ballon avait été limitée, et c'est pourquoi on a sifflé. Ça donnera une tentative de beauté de placement de 29 verges pour Félix Ménard-Brière. Un joueur pour le retourner au camp. Élise Ebonne de beauté. Rate du côté droit, mais sort derrière la zone début. Ce sera donc un simple 12-8 Laval en avant pour regarder le football universitaire. C'est Radio-Canada Télé. Et si vous voulez gagner des prix, allez faire un tour sur le site Journée du sport, en un seul mot, .radiocanada.ca. Et si vous envoyez vos tweets ou vos photos en train de faire du sport, vous pouvez gagner des prix. Et ça ne s'applique pas à toi, Charles-Antoine. Passe dans le plan, complété, à Bailey, qui va aller chercher Sylvain. Je dis que ça ne s'applique pas à toi, parce que je t'ai déjà vu jouer au mini-golf. Tu m'as déjà vu jouer au mini-golf. Sur Twitter. Ouais, mais j'essaie de me rendre, de développer une relation avec Serge Lemain, c'est pour ça. Je t'ai pas vu jouer au golf en photo également sur Twitter ou sur Facebook. On a joué ensemble, Jean. Je pense que j'ai vu Antoine Desch faire toutes sortes de sports. C'est pourquoi tu n'avais pas le droit de participer. Parce que tu me voyais pas au golf, mais ma drive était pas mal en avant de toi, fait que tu pouvais pas me voir. Deuxième essai. 4 verges à gagner. Deux receveurs du côté gauche. Skinner regarde de l'autre côté, la passe complétée, mais c'est à cause du premier jeu. Et ça, c'est à cause de l'hésitation de Skinner. Donc, on rejoint son receveur près des lignes de côté. Mais c'est une passe rapide, devait dégainer rapidement. Et là, a donné la possibilité à Jordan Rouillamilira de réagir. Et Rouillamilira qui a fait un bon plaqué pour limiter Faubert-Lucien à un gain de 2 verges. Et après, tu as vu la réaction du quart arrière qui indique avec ses mains qu'il reste seulement les quarts arrière pour indiquer la longueur de l'essai là, à gagner. C'est comme les pêcheurs. Il ne faut pas les croire. Ils exagèrent toujours, mais dans le sens inverse, c'est toujours... C'est un peu comme quand je donne ma distance de ma fameuse drive au golf. Ça ressemble un peu à ça. Beauté de dégagement de Boris Bédé. La remise. Le beauté en flèche. Va bondir dans le dos du joueur des Carabins. Récupéré par le Rouge et Or, mais je présume qu'il y aura
un mouchoir pour ne pas avoir accordé l'immunité. Il y avait un joueur collé sur le joueur. C'est vrai que le joueur en couverture était tout près de Marc-Étienne Villeneuve. C'est lui, je pense, le joueur des Carabins qui a reçu le ballon. Regardez. Ben oui, il y a un joueur qui est dans le rayon de 5 verges. Oui, mais pas au moment où le ballon est recouvert. Donc, je ne sais pas, peut-être tu as raison. Et là, il touche le ballon. Le mouchoir vient de sortir. Non, t'as raison, Jean, en fait. C'est que dès que le ballon, évidemment, touche un joueur de l'équipe sur l'unité de retour, c'est à ce moment-là qu'on mesure le périmètre. Et en effet, le joueur en couverture, qui était juste à côté de son couvreur, Marc-Étienne Villeneuve, et j'ai l'impression qu'on va changer notre décision. Monsieur Daigneau qui va nous l'expliquer. Exactement, voilà. C'est ça, non-respect de l'immunité. Oui, je sais. Zone d'immunité non respectée. Laval, une punition de 15 verges. Premier essai. Punition de 15 verges parce que le ballon n'a pas touché au sol. Et parce que le joueur n'a pas tenté de sortir du rayon parce qu'il n'était pas conscient. Il savait pas que le ballon était là. Exactement. Donc ici, Ndao a probablement tenté d'aviser son joueur que le ballon était botté de façon... botté un peu plus court, mais avec évidemment le bruit de la foule. J'imagine que la communication ne s'est pas rendue et les Carabins qui sont très chanceux. Et ça leur donne la meilleure position de départ du match. Dernière poussée a duré plus de 5 minutes, mais ne leur a donné qu'un seul point sur un classement raté. Cousineau, la passe. Rapide, vive, mais hors cible. Cette fois-ci, je pense que c'est une bonne chose, Jean, que la passe manquait de précision parce que le numéro 29 du Rougeur, Michael Langlois, qui était en excellente position sur le tracé en crochet du receveur des Carabins. Deuxième essai 10 de la ligne de 52, tout près du milieu de terrain. Maxime Fournier-Rioux s'en vient au bas de l'écran, receveur à droite en compagnie de Michael Davidson. Il y en a deux de l'autre côté également. Cousineau s'avance, cherche, passe, complété. Ali Ndao, premier jeu. Et t'as vu ce que ça fait lorsqu'un carrière a du succès au sol, lorsqu'il est en mesure d'aller chercher des verges considérables par la voie au sol. Par voilà. Ben, les demi-défensifs sont beaucoup plus agressifs lorsqu'ils voient Cousineau se présenter vers l'avant. Donc ici, le demi de coin qui s'est dirigé vers Cousineau et a laissé Ndao fin seul près des lignes de côté. Bon plaqué. Premier essai. Carabin, la ligne de 42. À nouveau, Ndao s'en va tout près de la ligne de touche, au haut de l'écran. Deux receveurs de chaque côté, la remise au champ arrière. Crisy Lauzon qui baisse l'épaule et va chercher deux verges. Et si je ne m'abuse, c'est encore une fois Brandon Tennant qui a donné énormément de difficultés au centre des Carabins. Olivier Quévillon, le 66, qui était dans le champ arrière. Donc, ce n'est pas nécessairement, encore une fois, Tennant qui a récolté le plaqué, mais il a poussé son joueur tellement fort qu'il a forcé le porteur de ballon adverse à rebrousser le chemin. On a parlé d'Antoine Bruneau qui avait été choisi joueur défensif par excellence au Québec. Je suis certain qu'il y a eu quelques mots pour Brandon Tennant également la saison qu'il a connue au sein de cette défense incroyable du Rouge et Or. La passe de Cousineau. Capté par Maxime Fournier-Rioux, plaqué à la ligne de 30. Ça semble suffisant pour le premier jeu. À nouveau, Cousineau qui exploite le côté large du terrain dans une zone très courte. Donc, le receveur Maxime Fournier-Rioux qui s'était amené à l'intérieur a reconnu que c'était une défense de zone, a donc décidé de rester à l'extérieur. C'est à cet endroit que la passe était dirigée. Et Fournier-Rioux, un joueur d'expérience, qu'est-ce qu'il a fait, Jean? Il est tourné rapidement nord-sud, a créé une séparation avec son bras et est allé chercher un premier jeu. La ligne de 30. La même formation, on inverse simplement les deux receveurs, Henschel et Ndao du côté droit. Davidson et Fournier-Rioux de l'autre côté. Attention! Cousineau qui se défait d'un premier plaqué, mais ce sera quand même un salle du corps enregistré en équipe par le Rouge et Or. En passant, les Carabins qui ont dominé cette saison au football universitaire canadien avec les sacs, mais lors des affrontements 1 contre 1, c'est le Rouge et Or qui a eu le meilleur. 9 contre 6. Dont 6 sacs lors du dernier affrontement. Ici, finalement, la pression qui s'est rendue à Cousineau. Il y avait un joueur de chaque côté, donc a tenté de produire quelque chose. La bonne chose pour les Carabins cette fois-ci, c'est que malgré la pression, Cousineau n'a rien risqué. A pris le sac, et ça, c'est une qualité d'un corps arrière qui a de l'expérience. C'est qu'on est toujours en position intéressante pour un placement. Il y a un joueur des Carabins qui est resté au tapis. On va en pause là-dessus. 12-8, le Rouge et Or en avant. Vous regardez le football universitaire.
c'est Radio-Canada Télé. Des statistiques qu'on a rarement vues chez ces deux équipes cette année. 13 en 22 pour 163 verges du côté des Carabins et 12 en 19 pour 212 verges pour Alex Skinner. Et une des raisons du succès, ce sont les deux lignes à l'attaque. Le dernier sac qu'on a vu, c'était le premier dans le match, alors que, comme tu l'as mentionné, les deux unités défensives ont excellé et ont surtout dominé au Québec pour cette statistique. Donc, chapeau aux deux lignes à l'attaque. Plusieurs joueurs vétérans qui ont vraiment pris le rythme. Deuxième essai, 15 verges à gagner, une feinte avec 5 receveurs du côté des Carabins. Cousineau regarde à sa droite, s'avance dans la pochette, il va d'une feinte, mais là, il n'y a pas d'espace, revient à la ligne d'engagement initiale. Pression à 4 seulement, donc si, évidemment, on se rend au quart et on le force à bouger avec 4 joueurs, bien, on a aussi 8 joueurs en couverture. C'est pourquoi Cousineau a hésité dès le départ du jeu et au deuxième moment aussi a tenté une passe, mais s'est dit, regarde, je suis conscient qu'il y a énormément de joueurs en couverture et que surtout, les Carabins ont la possibilité de tenter un placement. Cette fois-ci, la tentative de placement sera de 36 verges. Okay. Tantôt, c'était 29 verges, mais il n'y avait aucun problème de distance. C'était la direction. C'est peut-être la seule facette du jeu de Miller Béard qui a un peu souffert cette année. À sa première année au football universitaire, seulement 64% de ses placements qui ont été convertis en saison régulière. La mise est haute, bien récupérée. Le botté est réussi cette fois. 12-11 et que le botté raté devient important. Il faudra voir est-ce qu'on, du côté du genre, on va opter pour reprendre le ballon. Donc, oui. Évidemment, après un placement, on peut demander à l'équipe adverse de faire un botté d'envoi ou on peut seulement dire on reprend le ballon à la ligne de 35 et on a le choix entre les deux traits assurés ou le centre du terrain. Le ballon a été déposé du côté des traits assurés à gauche. La ligne de 35, premier essai, rouge et or. Il faudra voir si, comme à l'habitude, lors de la deuxième mi-temps, la ligne à l'attaque du rouge et or prend le contrôle au sol. Ça n'a pas nécessairement été le cas depuis le début du match. La remise à Lochard. Lochard, droit devant lui. Difficile à arrêter, il va chercher 5 verges. Les joueurs de ligne à l'attaque, cette fois-ci, qui est en bonne position sur les joueurs des Carabins. Mais les joueurs des Carabins qui sont très forts physiquement. Donc, on est en bonne position, mais on n'est pas en mesure de créer du déplacement. Donc, vous avez vu Gérard qui était au même niveau que la ligne de mêlée. Même chose pour David Ménard. Donc, ça rend la tâche un peu plus difficile. Mais Lochard qui court toujours nord-sud et qui a tout de même été chercher des verges positives. Deuxième essai et moins de 5 verges à aller chercher. 3 receveurs du côté large du terrain, 2 à gauche. Lochard est à la droite de son quart arrière. Skinner, regarde du côté gauche, la passe, elle est longue! Un petit peu trop longue au bout des doigts de Julian Bailey. Stratégie très agressive. Les demi-défensifs qui étaient devant les receveurs de passe, même si c'était une défense homme à homme. Regardez, on est devant les receveurs. Et Skinner qui a bien fait, qui a identifié cette situation avantageuse, mais qui a dû se débarrasser du ballon rapidement et qui a manqué un peu de touche. Donc, le ballon qui était lancé 2 verges devant Julian Bailey. Botté de dégagement de Boris Bédé attendu par Ali Ndao à sa ligne de 28. On prend tout le temps disponible. Il reste 6 secondes avant de remettre le ballon en jeu. On commence déjà à jouer avec le temps. Le botté en flèche. Ndao qui doit reculer. Le cap à sa ligne de 24. Ndao droit devant lui. Revient à la ligne de 30. Excellent travail du porteur de ballon, Guillaume Bourassa. C'était lui qui était en couverture sur le périmètre. Au dernier moment, il s'est débarrassé de son couvreur, qui était Marc-Étienne Villeneuve, le numéro 19, et a fait le plaqué rapidement. Regardez juste ici, à droite de votre écran. Villeneuve qui est en bonne position. Guillaume Bourassa qui crée de la séparation rapidement et vient rejoindre Ndao. Technique parfaite sur deux unités spéciales. Moins de 5 minutes à faire au troisième quart. 12-11, le rouge et or en avant. Les Carabins qui ont raté un placement pourraient être en avant. Ils ont déjà marqué plus de points aujourd'hui en deuxième demi que lors des deux premiers matchs. Cousineau, feinte de remise. Cousineau avec la petite passe au pied de son receveur qui était bien couvert par Shane Gauthier qui s'était allumé.
Bonne couverture de Shane Gauthier, mais excellent travail de Louis Taillon, ailier défensif. J'en ai parlé plus tôt dans le match. Chaque joueur est responsable d'une ouverture. Donc lui, il avait l'ouverture C. A entre le centre et le garde, B entre le garde et le bloqueur, et C à l'extérieur du bloqueur. Et vous l'avez vu, il est resté patient et accompagné Cousineau qui essayait de se diriger vers les lignes de côté. Le Rouge et Or qui n'a eu le ballon que pendant 2 minutes 30 depuis le début de ce troisième quart. C'est pas ce à quoi on est habitué. Cousineau cherche. Droit devant lui, la passe. Complétée! Oh, le ballon! Perd le ballon! Récupéré par Mathieu Massot! Je crois! Et c'est oui. Fait! Davidson qui avait accompagné son carrière, mais une erreur à la toute fin, malheureusement. On s'en va en pause là-dessus. Le Rouge et Or reprend le ballon et garde les devants. Ici Radio-Canada, télé. La semaine prochaine, peu importe qui gagne ici, on ira dans les Maritimes pour la demi-finale canadienne de la Coupe UTEC. Soit Halifax contre les Huskies de St. Mary's ou les surprenants Mounties de Mount Allison à Sackville, Nouveau-Brunswick. C'est à 12h30, heure du Québec, samedi prochain, le match de la Coupe UTEC. Et vous, messieurs? Premier essai Rouge et Or à l'entrée du territoire des Carabins à la suite de ce quatrième revirement dans le match. Davidson qui avait suivi son carrière, avait donné une option finalement, lui qui était pressé, mais doit absolument conserver le ballon. Ici, il s'avait exposé les flancs du ballon. Michael Langlois qui a réussi à faire perdre le ballon récupéré par Mathieu Massot. Là-dessus, c'est Maxime Boutin qui va aller chercher trois verges. Et aujourd'hui, le terme garde des tranchées qui commence à vraiment prendre son sens. Il y a énormément de batailles un contre un. C'est très physique. Regardez les contacts. Ça frappe très fort. Il faut voir lequel des deux côtés, la ligne à l'attaque ou la ligne défensive qui vont céder en premier. Deuxième essai, 7 verges à gagner, 3 receveurs seulement. On ajoute du monde sur la ligne d'engagement. Et Maxime Boutin est au champ arrière. Skinner roule à sa droite, cherche un receveur. La passe à Bailey. Lui touche aux orteils. Passe précise cette fois-ci. Skinner qui est en mouvement. On avait sécurisé le premier niveau. Donc, il avait tout le temps devant lui et avait identifié Julian Bailey qui était près du marqueur de premier jeu. Mais peut-être a eu la tendance à vouloir tourner. On a vu sa tête qui a bougé avant même que l'attrapé soit effectué. Et je sais que tu me trouves dur avec les receveurs. Ce n'était pas un attrapé facile. Mais dans les grands matchs, grands joueurs font de grands jeux lors de situations importantes. Et là, il faudra voir ce grand jeu-là d'un des meilleurs joueurs des deux côtés. BD qui va viser certainement les lignes de côté. Ça s'en va à la ligne de 15. Ndao qui s'en empare et entre en contact avec un de ses joueurs alors qu'il était déjà partiellement plaqué par Dave Savard. Et avec 2 minutes 30 à faire au troisième quart, les Carabins reprennent l'attaque à leur ligne de 21. Des unités de couverture de beauté très étanches. Oui, on a de bons batteurs. On a aussi de bons retourneurs. On ne les voit pas nécessairement s'illustrer parce que les joueurs en couverture des deux côtés sont très disciplinés. On leur demande de garder leur corridor, de faire le 1-12e. Et c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a un changement de possession sur les unités de dégagement. Les quatre mêmes receveurs qui sont de toutes les séquences en attaque ou à peu près du côté des Carabins. Remise au champ arrière. Tom Arlington accélère. Pénalité. Mouchoir sur le jeu. Et ça sent avoir retenu au point d'attaque. Jeu de zone à l'extérieur, donc on essaie d'aller chercher le périmètre et ça prend beaucoup de temps à se déployer. Donc souvent, lorsqu'un joueur de ligne à l'attaque n'est pas en bonne position, il va avoir tendance à négliger sa technique. C'est probablement ce qui est arrivé, mais là, ça, c'est un signe qui est peu encourageant pour les Carabins. Évidemment, on n'a pas beaucoup de joueurs en uniforme à la position de porteur de ballon. On a Crisy Lozon qui fait très bien. Mais on a besoin de cet équilibre et on a surtout besoin de garder notre porteur de ballon le plus en forme possible pour le quatrième quart. Regarde. Oh, la cheville gauche qui bouge de façon assez particulière. Retenu, Montréal, punition diverge. On reprend le premier. Ouch. Donc, on recule les Carabins de diverge. Ce sera premier essai et 20 verges à gagner, mais profondément dans le territoire. Et on voit sur le banc des Carabins à quel point tous les petits détails comptent. On a un mur de thérapeute pour bloquer le joueur. Évidemment, on ne veut pas montrer ni à la télé ni à l'équipe adverse quel genre de blessure a subi Thomas Arlington. Félix Prévost s'amène comme receveur.
Il va sûrement y aller avec 5 receveurs de passe cette fois. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en situation de 1er et 20, on ne doit pas viser le premier essai. On doit essayer de se ramener à la position qu'on était initialement, c'est-à-dire pour se créer une situation de 2e et 10. On va rejoindre Antoine. Difficile de voir, mais entre les jambes des gros joueurs des Carabins, on a cru voir que c'est la cheville. Je pense qu'on a bien vu la reprise, c'est la cheville qui a tourné. Alors, on va essayer de tester Erlington. Mais il s'est relevé pour l'instant, il marche sur le banc des Carabins. Alors bref, on va surveiller ça de très près, cette blessure à Jean-Thomas Erlington. À vous. Merci Antoine. Premier essai 20 de la ligne de 11. 5 receveurs de passe, 3 du côté court, 2 du côté large. Attention à la pression, ça décale! Un deuxième réussi par le OGA. Il y a un mouchoir à la fin du jeu qui est arrivé très tard de l'autre côté complètement. Regardez ici, on avait amené une pression du côté large, donc on a bougé la protection de ce côté large et ça allait libérer le centre. Et c'est pourquoi Brandon Tennant s'est rendu dans le champ arrière. Kikuzino n'a pas eu le choix de bouger et finalement, c'est Deloge qui a récolté le sac. Mais la pénalité est contre le Rouge et Or. Contact sur un receveur. Contact légal, Laval, punition diverge. On reprend le premier. Donc, on revient où on était tantôt. Premier essai 10 donc, de la ligne de 21. Ce n'était pas une interférence. Une interférence aurait donné un premier jeu et 15 verges au change. Lorsque c'est un contact, c'est-à-dire un contact sur un receveur qui n'était pas visé, on donne seulement 10 verges. Premier 10, on revient au 21. Et on revient à la formation avec un ailier rapproché, 4 receveurs de passe et un joueur au champ arrière. Moins de 2 minutes à faire au 3e quart. Une avance d'un point pour le Rouge et Or. Cousineau regarde à sa droite. La passe complétée à Ndao. Premier jeu. Excellent travail ici, Ndao, qui a bien vendu le tracé vertical. Donc, il avait énormément de vitesse. Au dernier moment, a changé de direction, s'est dirigé vers la ligne de côté. Et encore une fois, une anticipation intéressante pour le quart Cousineau, qui a lancé le ballon avant que Cousineau soit tourné. Donc, énormément de précision. Et on était vraiment sur la même longueur d'onde ici. Les deux joueurs savaient où était le drapeau du premier jeu. Ils sont allés le chercher. Premier et 10. Au 33. Cousineau à nouveau à sa droite vers Ndao qui se laisse choir en captant le ballon. Ce sera un gain de 4 verges. Et Cousineau qui est en confiance, vraiment depuis le début du match, saisit l'opportunité qui lui avait été offerte. Évidemment, ce n'était pas lui le quart partant la semaine dernière et montre beaucoup de confiance, de maturité. Il se déplace bien dans la pochette protectrice et c'est sa force à Cousineau, c'est la puissance de son bras. Donc on l'a vu à plusieurs reprises lorsqu'il tente des passes du côté large et sur la dernière reprise, a mis le ballon où seul le receveur pouvait l'attraper. Deuxième et plus de 5 verges à gagner. La passe de Cousineau au bout des doigts de Philippe Hentschel. À nouveau, la pression était forte. Et Cousineau qui a fini sur le dos. J'ai encore l'impression qu'on avait un receveur de libre, mais la pochette qui se rétrécissait. Vous allez voir, à contre-courant, Davidson, qui est venu rejoindre les très assurés. Il n'avait pas une énorme fenêtre. Vous allez voir le 88 juste ici, qui était juste là. Mais étant donné que la pression s'amenait, Cousineau n'a pas eu le choix d'y aller pour son dépanneur. Est-ce que c'est mon joueur de l'équipe d'étoiles qui n'a pas été choisi qui est arrivé là? Vincent Deloge, je suis d'accord avec toi, ça aurait été une excellente sélection. Les entraîneurs qui ont plutôt décidé de donner leur vote aux deux alliés défensifs des Carabins, Ménard et Jean-Samuel Blanc. Excellent beauté de Ménard Brière qui se retrouve à la ligne de 28 et ce sera un retour de 2 verges pour le vétéran Guillaume Rioux. Encore une fois, un joueur partant sur l'une ou l'autre des deux unités, c'est-à-dire l'attaque et la défense, qui s'illustre sur les unités spéciales. Ici, c'était Jean-Samuel Blanc qui a fait tout un plaqué. Donc, de un, on demande à nos meilleurs athlètes d'offrir une performance complète, de jouer sur les unités spéciales, mais de deux, on les prépare aussi pour la Ligue canadienne de football. Premier 10 de la ligne de 31. À nouveau, on ajoute du monde sur la ligne de mêlée. On y va avec seulement 3 receveurs. Remise au champ arrière à Maxime Boutin qui attend ses bloqueurs, mais tombe dans les bras du numéro 7, David Ménard. Naturellement, la foule réagit sur la dernière petite poussée. Daou Pichette qui avait fait une percée au centre de la défense et qui s'est fait trébucher. C'est lui qui est resté au sol. Et ça va mettre un terme au 3e quart avec 1 point d'écart. Le Rouge et Or en avant, 12-11. Regardez le football universitaire.
Ici Radio-Canada Télé. De retour avec Étienne Boulay. Étienne, actuellement, au troisième quart, c'est les ajustements de Laval. Là, pour l'instant, il y en a moins. Pourquoi? Bien, il y en a moins parce que l'unité offensive de Laval n'est pas sur le terrain présentement parce que le temps de possession est à l'avantage des Carabins. C'est bien beau avoir le temps de possession, c'est le fun parce que, oui, c'est un jeu qui est un peu défensif dans le sens que, bon, l'attaque du Rouge et Or ne peut pas faire de points pendant ce temps-là. Mais en même temps, l'attaque des Carabins sur le terrain, mais ça ne se transforme pas en points sur le tableau indicateur. Alors, il faut qu'on trouve le moyen de transformer ce temps de possession-là en points. De l'autre côté du ballon, tu as le Rouge et Or qui n'est pas capable de prendre son rythme offensivement. C'est difficile, c'est périlleux. Alors, ils se doivent de trouver deux, trois jeux qui fonctionnent puis d'essayer de les exploiter d'ici la fin du match. Merci. Merci. Les statistiques après trois quarts. L'attaque en faveur du Rouge et Or, 318 verges d'attaque totale. La grosse différence, naturellement, l'attaque au sol. 106 verges pour le Rouge et Or contre seulement 32 pour les Carabins. Et regardez le temps de possession qui, au cours du troisième quart, a changé de côté complètement, mais deux revirements et il y en a eu un qui a fait mal aux Carabins au cours de ce troisième quart. Ce quart est présenté par Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Les gens, pour renchérir sur le commentaire d'Étienne, ça serait un bon moment pour Laval pour faire un jeu truqué. Non seulement aller chercher des verges rapidement, mais également retrouver notre enthousiasme à l'attaque. Deuxième essai, 10. Skinner, attention, la pression est forte. Passe complétée à Gobeil, mais rabattu après un gain de 3. On va lui donner 5 verges là-dessus. Une des premières fois qu'on nommait le nom d'Antoine Pruneau. Donc, c'est arrivé rapidement sur le périmètre. C'est un joueur excessivement rapide, mais tout un jeu d'Alex Skinner qui, sur un pied, a tout de même rejoint Nicolas Gobeil sur le côté large du terrain. Pruneau qui était rendu. Botté de dégagement de Boris Bédé, attendu par Alien Dao à sa ligne de 30. On prend tout le temps à nouveau. Il y a 5 secondes au tableau. La remise. Le botté. Va du côté large. Excellent botté. Ndao qui doit revenir à sa ligne de 25. Il se retourne face au jeu. Mais il ne voit qu'un chandail noir. Et perte de terrain sur le retour. Une petite verge. Je parlais de la discipline des joueurs du Rouge Or lorsqu'ils sont en corridor de couverture. Bien ici, Guillaume Lebel, qui s'était positionné à 5 verges du retourneur, évidemment pour respecter l'immunité, et qui a été patient. Et a fait un excellent plaqué, un joueur de troisième année, un ancien des Géants de Saint-Jean qui excelle sur les unités spéciales. Lors des deux affrontements cette saison, le Rouge et Or est revenu en deuxième demi pour remporter la victoire. Et regardez au quatrième quart, ils ont blanchi les Carabins 33-0 en deux matchs. Il faut que les vétérans des Carabins se lèvent et imposent le respect et guident leurs jeunes joueurs avec eux lors de ce quatrième match. On a vu un caucus sur le banc des joueurs et un discours enflammé. On va voir ce que ça va donner. Cousineau, attention, cherche l'espace, pousse son joueur de ligne et va aller chercher peut-être deux verges là-dessus. Encore une fois, la pochette qui se rétrécit et Cousineau qui ne semble pas vouloir prendre de risques, qui est une bonne chose, mais cette fois-ci, dans les flancs, avait son ailier rapproché, Alexandre Dupuis, qui était sur un tracé court de Dipodim. Mais évidemment, la pression a fait en sorte que sa vision s'est rétrécie et a seulement vu le centre du terrain. C'est Rémi Giguère, son bloqueur, son garde à gauche, avec ses 280 livres qui étaient dans le trajet. Là. Deuxième essai, plus de 8 verges à gagner. Deux joueurs protégés. Attention, Cousineau qui jongle avec le ballon. Petite passe à Curizy-Lozo. Arrêté après avoir franchi la ligne de 30, mais c'est pas suffisant. Faudra dégager. Cousineau qui opte pour son dépanneur, mais cette fois-ci, c'est vraiment le Rouge et Or qui a gagné la bataille physique parce que Curizy-Lozo, on en a mentionné, arrive avec énormément de vélocité. Lui qui est très court sur patte et un bon poids, mais regardez le plaqué solide. Au niveau des hanches et Shane Gauthier qui est venu terminer le travail. Donc, bon travail de limiter les dégâts chez le Rouge et Or. Donc, botté de dégagement attendu à la ligne de 42. Là, si Félix Ménard-Brière en a un bon dans la jambe, le moment serait bien choisi.
Le botté est très, très haut. Plaqué immédiat. Il n'y a pas de mouchoir. Oui, il y a un mouchoir qui arrive sur le tard. On n'a pas accordé l'immunité. On va s'en aller en pause là-dessus avec 12 minutes 26 à jouer. Et une avance d'un point pour le Rouge et Or. Ici Radio-Canada, télé. Ailleurs au pays, les meneurs, les champions de la saison ont repris les devants du côté de l'Atlantique. 17-10 contre Mont-Allison pour St. Mary's. Les champions et l'équipe numéro 1 en saison, les Mustangs de Western se dirigent vers une finale, une demi-finale contre l'équipe de l'Ouest. Et les deux joueurs par excellence de leurs conférences respectives se démarquent depuis le début du match. Will Finch, le corps de Western, qui mène son équipe par la passe, mais au sol, et Jordan Buffel, le porteur de Mont-Allison, qui a plus de 100 verges déjà. Ces deux joueurs seront affrontés à Jordan Heather pour le titre de joueur par excellence au pays. Premier essai en territoire des Carabins. La passe de Skinner dans le centre. Côté gauche, interception! Les Carabins reprennent le ballon après avoir écopé d'une pénalité extrêmement coûteuse, 15 verges, pour ne pas avoir accordé l'immunité. Les Carabins reprennent le ballon. Une erreur de Skinner doit regarder le maraudeur lorsqu'on a des tracés verticaux. Et cette fois-ci, le maraudeur qui avait opté pour le tracé vertical du côté court. Et c'est là tout de même que Skinner a lancé le ballon. Donc, une erreur encore une fois de Skinner qui lance le ballon directement dans les mains d'Anthony Cody qui fait un jeu clé. Ce ne sont pas des équipes qui ont eu énormément de revirements cette année, mais au quatrième quart comme ça, ça pourrait faire très mal. Les Carabins amorceront leur attaque de la ligne de 40. On y va avec 4 receveurs, 3 du côté droit, du côté large du terrain. Un seul du côté gauche, c'est Ndao. La passe va de ce côté complétée, mais Ndao qui se jette à genoux en captant le ballon. Question de sécuriser l'attrapé, mais ça donne un gain de 5 verges. Alors, on voit Cody sur le banc. Et on voit aussi que Cousineau semble très confortable avec ses receveurs extérieurs. Hein. La majorité de ses passes qui sont destinées soit à Ndao du côté court, sur des tracés plutôt courts, ou du côté large à Maxime Fournier-Rioux. Donc, un bras très puissant et ça lui permet d'exploiter les tracés à l'extérieur. On a vu Cousineau qui s'est approché du banc pour se faire donner le jeu par son coordonnateur à l'attaque. Il avait le temps. On reparle. Il va remettre le ballon en jeu dans 5 secondes. Cousineau cherche la passe longue pour Davidson capté. C'est le premier jeu. Encore une fois, on exploite le tracé court extérieur du côté large du terrain. Le bras de Cousineau qui lui permet de faire ces tracés-là. Regardez bien, encore une fois, l'effet du son. C'est le garde qui a donné une tape au centre. À chaque fois, les Carabins se doivent de faire ça. Donc, le centre n'a aucune idée de ce qui se passe. Au dernier moment, le garde qui lui tape sur la fesse, il dit « On est prêt, remet le ballon à Cousineau » et encore une fois, une passe précise à l'extérieur. Ce sont des longues passes pour aller chercher du 2 ou 3 verges. Deux joueurs au champ arrière, 3 receveurs. Cousineau. Attention, la pression est forte. Cousineau décide de courir. Passe en touche. C'est incomplet. Ici, il s'est fait prendre un peu par son bras puissant. Donc oui, encore une fois, une pression constante du rougeur avance dans sa pochette protectrice, mais il y avait Crisy Lauzon devant lui et a voulu le faire la passe la plus intense qu'il a faite aujourd'hui, alors que lorsqu'on est en mouvement, on peut simplement déposer le ballon à son dépanneur. Deuxième essai, 10. 10 minutes 40 à faire. Un retard d'un point. Davidson et Fournier-Rioux, les receveurs, à la gauche de Cousineau. Attention, à nouveau Cousineau doit s'avancer. La petite passe complétée. Ndao qui gagne le premier jeu et se fait pousser. Va en gagner un petit peu plus grâce aux joueurs du Rouge et Or. On avait amené une pression maximale, donc au dernier moment, on a amené un second d'heure de plus et un demi-défensif. On s'est donc affaibli en couverture aérienne. Cousineau qui a bien réagi. Et regardez ici Vincent Plante qui est arrivé à toute vitesse, le maraudeur. Et Ndao qui a fait une petite feinte pour aller gagner le premier jeu. En territoire du Rouge et Or, à la ligne de 46, entre le 46 et le 47. Bon après-midi de travail pour Ali Ndao. 7 passes captées jusqu'à présent. 2 receveurs de chaque côté, 2 joueurs au champ arrière. Cousineau, passe rapide, qui bondit dans les mains d'Ali Ndao. Et on voit l'effet
de la confiance entre un receveur et un corps arrière. Donc cette fois-ci, le lien inséré, Philippe Hinchil, qui était peut-être une meilleure option. Mais lorsqu'on a confiance, lorsqu'on sait que notre receveur fait des gros attrapés, on a tendance à y aller un peu de façon aveugle. Et ici, Cousineau qui a essayé de rejoindre sa cible favorite aujourd'hui, alors qu'un autre receveur en zone profonde aurait probablement été une meilleure option. Deuxième essai et 10. Hinchil s'installe au bout de la ligne. Trois receveurs en mouvement seulement. Cousineau regarde à sa gauche. Attention, la passe, elle est très longue pour Davidson. Incomplète couverture, très serrée de Maximilien Ducasse. Fait à merveille ici. Rester très près du receveur, avec la main sur la hanche. C'est ce qu'on enseigne aux demi-défensifs. Comme ça, il est toujours en mesure d'identifier la position du receveur. Et surtout, ne s'est pas tourné trop vite pour identifier la position du ballon. Et au dernier moment, lorsqu'il a vu les yeux de Fournirou s'ouvrir pour identifier le ballon, est venu rabattre ce ballon au plus haut point. Brandon Tennant, qui joue un match incroyable, a déposé le genou au sol. Il avait presque rejoint le quart là-dessus. Maximilien Ducasse, c'est un des 6 joueurs en uniforme aujourd'hui pour le Rouge et Or, qui en est à sa 5e saison. On va rejoindre Antoine sur les deux côtés. Alors, des nouvelles d'un blessé chez les Carabins. Olivier Daou-Bichette, un placard défensif lourd de perte, semble blessé à une jambe. On n'a pas beaucoup de détails, ça nous a échappé, mais son match semble terminé. Alors, la ligne défensive des Carabins doit affronter celle du Rouge et Or sans Olivier Daou-Bichette. Du côté du Rouge et Or, pas de blessure, ou du moins pas de joueur qui reçoit des traitements présentement. À vous, messieurs. Merci Antoine. Antoine qui... ça lui a échappé, Olivier Daou-Pichette. Il est en train de nous parler avec Étienne Boulay pendant que Daou-Pichette est resté sur le terrain. Il n'a pas des yeux tout le tour de la tête. En effet, une grosse perte pour les Carabins. La bonne nouvelle, c'est qu'on a David Français et Junior Luke, deux recrues à la position de plaqueur défensif qui ont vu beaucoup de terrain cette année. Donc, on a des remplaçants efficaces. Pour le Rouge et Or, bien évidemment, ça a été la position qui a été la plus affligée par les blessures, celle de joueurs de ligne défensive. Donc, on espère que Brandon Tennant reviendra pour la prochaine série. Important voté de dégagement pour Ménard hier. Il est à sa ligne de 50. Voté en angle. S'en va du côté large du terrain pour lui. C'est capté à la ligne de 20. Tarillou qui revient vers l'intérieur au 25. Sort en touche alors qu'il approche la ligne de 28. Lors des trois derniers bottés de dégagement des Carabins, la pression du Rouge et Or qui était incroyable. 9 minutes 17 à faire. Un point d'avance pour le Rouge et Or. Vous regardez le football universitaire. Ici Radio-Canada, télé. La Coupe Dunsmore qui vient d'être amenée tout près du terrain. La Coupe Dunsmore qui appartient au Rouge et Or depuis 10 ans. Le Rouge et Or qui a gagné ses 63 derniers matchs ici, mène avec 9 minutes 17 à jouer, mais par un point seulement. Le Rouge et Or qui a dominé la deuxième demi depuis le début de la saison est toujours en quête de son premier essai au cours de cette deuxième demi. Et il va l'avoir ce premier essai. Guillaume Bourassa en plein centre, la course qui va lui donner près de 20 verges là-dessus. Belle course de Guillaume Bourassa. Surveillez toutefois le bloc de Christophe Normand, le numéro 39. Il est juste ici, droit devant lui. C'est lui qui va ouvrir le chemin à son acolyte Bourassa. Tout un bloc physique sur le secondaire. Et Bourassa qui va chercher des verges considérables sur le premier essai. À la ligne de 48. Trois receveurs seulement. À nouveau remise au champ arrière. À nouveau Bourassa qui tente de déborder. Et finalement, on va se rendre à l'intérieur du territoire des Carabins. Du côté du Rouge et Or, ça jase au banc. On croyait qu'on en avait mis un peu trop à la fin du jeu. Oui, on a essayé de déborder vers les périmètres, mais évidemment, lorsqu'on tente cette stratégie du côté court du terrain, c'est difficile d'avoir une énorme ouverture. Faudé Hansen qui a initié son plaqué près des lignes de côté. C'est pourquoi le Rouge et Or demandait une punition. Mais les arbitres qui ont jugé que c'était un geste légal. On aura un mesurage et il faudra traverser d'un bout à l'autre du terrain. Les chaîneurs qui, en deuxième demi, sont de l'autre côté. On a vu la moyenne impressionnante de Guillaume Bourassa depuis le début du match. Plus de 8 verges par course. De l'autre côté, du côté des Carabins, ça s'est un peu amélioré en deuxième demi avec... l'attaque est maintenant positive par la course de 34 verges. C'est-à-dire que les Carabins ont eu le ballon beaucoup plus longtemps que leurs adversaires jusqu'à présent en deuxième demi. Et Jean, il y a 7 joueurs du Rouge et Or qui ont porté le ballon aujourd'hui. Ça démontre leur belle profondeur et surtout la polyvalence de certains joueurs qui sont utilisés dans le champ arrière. Deuxième essai. Et ouf! Un maillon de chaîne à gagner.
puis pas une grosse chaîne. C'est Tristan Grenon, voilà, qui est au poste de quart. Naturellement, on s'attend à la faufilade du quart qu'il a réussi plusieurs reprises la semaine dernière en demi-finale contre Sherbrooke. Et avec la ligne à l'attaque du Rouge et Or, c'est une stratégie qui rate très, 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 très rarement. Côté gauche, facilement gagné. Premier essai à la ligne de 50. Énormément de déplacements du côté gauche. Et on le sait, le carrière a toujours la possibilité de choisir son joueur parce qu'il doit se laisser choir sur un de ses joueurs de ligne à l'attaque. Cette fois-ci, a vu que le côté gauche progressait. C'est donc couché sur le dos de son garde et il l'a amené relativement facilement pour le premier jeu. À la ligne de 50 en territoire des Carabins. Rioux et Bailey, les receveurs à gauche. Un seul receveur à droite. Deux joueurs au champ arrière. La remise au champ arrière à Bourassa qui frappe un mur par-dessus son garde, Charles Vaillancourt, qui est de retour. Ça me fait plaisir de le voir, d'ailleurs. Mathieu Giron, le 52 des Carabins qui était au sol. Et Cromer Raymond, le 50, qui est venu sauter par-dessus le joueur au sol et est venu finir le plaqué avec Byron Archambault. Deuxième essai et un peu plus de 8 verges à gagner. C'en est un autre joueur qui joue un peu dans l'ombre, Byron Archambault. Pourquoi? Parce qu'il occupe pratiquement à chaque jeu un joueur de ligne à l'attaque. Donc, c'est vraiment un joueur hybride entre un joueur de ligne défensive et un secondaire. Trois receveurs du côté gauche, du côté large du terrain. La remise à Bourassa à court du premier jeu. Est-ce que c'était la remise par derrière, là, l'espèce de statue de liberté, quelque chose du genre? J'ai rien vu. C'est surtout un mouvement du carrière pour influencer le flot défensif. Le porteur qui va avec lui, au dernier moment, change de direction. Donc, on espère que, justement, les joueurs défensifs soient pris par la fin du corps. Cette fois-ci, on a gagné des verges considérables, mais un plaqué solide à quelques pouces du premier jeu. Et le Rouge et Or qui va décider de rester sur le terrain. Hey, c'est l'égalité à Halifax, St. Mary's, Mount Allison, 17-17. Au quatrième quart, quelle journée de football universitaire au Canada. Ici, il y a un point d'écart. Grenon revient sur le terrain pour une autre faufilade du quart. Avec, ouf, presque une verge à aller chercher cette fois. Grenon va du côté droit. Attention! Il n'a pas eu du premier essai, mais je crois qu'au deuxième effort, il a traversé la ligne. Il est venu avoir l'aide de son coéquipier Yannick Morin-Plante qui l'a poussé un peu dans le dos. Ce n'est pas techniquement permis, mais souvent sur des situations de faufilade, on laisse le bénéfice du doute à l'équipe, à l'équipe qui exécute cette faufilade. Voyons où les orteils de l'officiel seront déposés. On fait de l'espace du côté des Carabins. On croit que le Rouge et Or a été arrêté. Est-ce que c'est le cas? Même le Rouge et Or qui a déjà envoyé son unité défensive sur le terrain. Donc, on n'avait pas nécessairement confiance dans le positionnement du ballon. On les rappelle maintenant. Pour la deuxième fois sur cette série, il y aura mesurage. Cette fois, c'est un troisième essai. Regardez le nombre de joueurs des Carabins. Non! Les Carabins reprennent le ballon. On s'en va en pause là-dessus avec 7 minutes à faire au quatrième quart. Une avance d'un seul point. Ici Radio-Canada, télé. Superbe performance des quarts. Gabriel Cousineau et Alex Skinner, 20 en 34, 13 en 23. 232 verges d'un côté, 218 de l'autre. Naturellement, il y a des interceptions. Il ne faut pas oublier que ce sont deux des meilleures défenses au Canada qui s'affrontent. Et Gabriel Cousineau qui va entamer peut-être la série la plus importante de sa carrière. On vient de faire un énorme jeu qui va transformer, qui a changé le momentum, l'enthousiasme. Il doit capitaliser avec son unité à l'attaque sur les Carabins. Trois receveurs du côté large du terrain, au haut de l'écran, à la droite du cœur. Fin de remise. Passe Barim Dao. C'est venu bien près. Ovington qui jouait l'interception là-dessus. Ovington qui avait reconnu le tracé à l'extérieur du receveur Alien Dao. On l'a fait à de nombreuses reprises depuis le début du match. Et cette fois-ci, Ovington avait flairé la stratégie. Le ballon qui manquait un peu de vélocité, qui est arrivé un peu tard, mais tout de même, tout un jeu d'Ovington. Deuxième essai 10. Cette fois-ci, on envoie du renfort à Ndao du côté gauche. À la droite complètement de l'écran, c'est Philippe Enchi.
Churchill. Deux receveurs de chaque côté. Deux joueurs au champ arrière. Cousineau cherche. Ça va à sa gauche. La petite remise à Lauzon. Crise Lauzon de peu. Capte le ballon. Il faudra dégager du côté des Carabins. Excellent travail des quatre joueurs de la ligne défensive du Rouge et Or. Pourquoi? Parce qu'on n'amène personne d'autre en pression. Donc, si on est en mesure d'exercer ce type de pression à quatre, bien évidemment, ça permet au coordinateur défensif Marc Fortier de déployer huit joueurs en couverture aérienne. Et vous l'avez vu, Cousineau qui n'avait nulle part où aller, la passe qui n'a pas été complétée. Mais tout de même, chapeau à l'unité défensive et plus particulièrement aux quatre joueurs qui en sont venus en pression sur Cousineau. Le botté de dégagement est attendu à la ligne de 35, remise rapide. Le botté est excellent. Force Rio à revenir jusqu'à sa ligne de 27. Rio, du côté droit, revient vers l'intérieur. Pénalité sur le jeu. Est-ce qu'il y a eu bloc dans le dos? Il y en a trois mouchoirs. Je ne sais pas s'ils ont eu toute la même pénalité. Il y a assurément une pénalité contre Lucas Ricard, le numéro 31 du Rougeard, qui a fait un bloc dans le dos au moment où le retourneur changeait de direction. Monsieur Daigneault, s'il vous plaît. Il y en a seulement une pénalité, donc on va voir que ça se déroule du côté du Rouge et Or. Tour, bloc légal, Laval, punition diverge, premier essai. Donc ça repousse le Rouge et Or à l'intérieur de sa ligne de 20, avec 6 minutes 8 à faire. Regardez à l'écran, on va le voir, lorsque Rio décide d'aller du côté large du terrain, un joueur qui vient faucher le numéro 14... Pierre-Yves Lavergne, le secondeur. Donc, c'était une pénalité pour bloc illégal, puisque le bloc avait été initié dans le dos du joueur. À la ligne de 19, c'est la pire position de départ pour le Rouge et Or, qui est arrêté à la ligne d'engagement par un paquet de chandails blancs. Et tantôt, j'ai parlé de la profondeur sur la ligne défensive des Carabins. Mais on n'a pas Daou Couchette, mais ici, c'est le joueur recru Junior Luke qui a fait tout un jeu dans le champ arrière rapidement et est venu rejoindre le porteur de ballon juste après que celui-ci ait saisi la remise. Regardez-le, le 91. Juste là. Petit bonhomme de 6 pieds, 1 pouce, 310 livres. Ancien des Cheetahs du Collège Vanier, un des joueurs qui était le plus convoité dans la classe de recrutement. Il avait été d'ailleurs nommé sur l'équipe d'étoiles de la Division 1 au niveau collégial. Deuxième essai, un peu moins de diverge à aller chercher. Trois receveurs du côté droit. Skinner regarde de ce côté. Attention, la pression, la passe au centre. Complétée à Félix Faubert-Lucier. Premier jeu. Gros premier jeu. On met encore une fois le meilleur joueur des Carabins en situation d'instabilité. Regardez Bruno, qui est en mouvement avant le jeu. Il a de la difficulté à identifier son couvreur et à toute fin, on complète une passe derrière lui. Donc Bruno qui est en mouvement avant le jeu, est hésitant, un joueur devant lui et ça permet à Faubert-Lucier de se découvrir au centre du terrain. Premier essai à la ligne de 37. La remise au champ arrière. Bourassa qui explose du côté droit dès le premier jeu et plus à la ligne de 50. Un joueur qu'on n'a pas parlé beaucoup chez le Rougeard, c'est Julian Bailey, le receveur. Il n'a pas capté, il n'a pas été impliqué dans le jeu aérien, mais ici, il a fait tout un bloc. Elle est rapprochée juste ici. Et tout un bloc sur Jean-Samuel Blanc, un des meilleurs ailiers défensifs au pays. Il est allé bloquer Bruno par la suite. À la toute fin, ça a permis à Guillaume Bourassa de se rendre au premier jeu. À la ligne de 50. Moins de 5 minutes à faire maintenant. Une avance d'un point. Trois joueurs au champ arrière. Skinner, la remise à Bourassa, droit par lui. Pénalité. Et là, de la façon dont les joueurs sont disposés à la ligne d'engagement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être retenu. Tout un bloc de Christophe Normand, mais l'arbitre qui était trop près de lui a lancé son mouchoir. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être le centre arrière qui est... Il y a un joueur qui est resté au sol, un joueur de la ligne à l'attaque du côté des Carabins. Oui, on en a fait retenu. Et c'est Carl Lavoie, bloqueur à gauche, qui est un joueur étoile. Cette année, encore une fois. Retenu. Laval, punition diverge. On reprend le premier. Ce sera donc premier et 20. Avec 4 minutes 34 à faire. Et là, le chrono va devenir important. Parce qu'à un point d'écart, on peut se dire que la dernière équipe qui va avoir le ballon aura l'avantage. Peut-être une petite instabilité au niveau du genou pour Carl Lavoie. Mont Allison vient de prendre les devants. 20-17. Est-ce qu'ils vont battre St. Mary's trois fois au cours de la même saison? Quelle journée de football fantastique!
Au Québec, le coach de l'année, ça a été Kevin Mackey de Bishop. On a connu toute une saison un peu surprise. Bien, dans les Maritimes, l'équivalent, son équivalent, c'est Gary Jeffrey, l'entraîneur de Mount Allison, eux qui ont terminé dans le haut du classement après avoir été une des pires équipes dans les Maritimes lors des dernières saisons. Le Rouge et Or qui tente de remporter un 11e titre consécutif. Les deux dernières fois que les Carabins sont venus ici, ils n'ont marqué que 7 points. Se sont inclinés 31-7 en 2009, 37 il y a deux ans, en 2011. Il y aura moins de points cette fois avec ses deux défenses exceptionnelles, 12-11. Le Rouge et Or en avant. Le Rouge et Or qui n'a pas perdu à domicile, saison régulière ou match éliminatoire. Depuis 2004, face à ces mêmes Carabins, depuis 63 matchs. Le Rouge et Or ou les Carabins pourraient être de retour ici dans deux semaines. Si jamais ils l'emportent contre l'équipe de l'Atlantique, bien, ça voudrait dire que la Coupe Vanier sera défendue ici. On a besoin de deux personnes pour soulever la voix, donc probablement le genou qui est touché. On ne veut mettre aucun poids sur ce même genou. Donc, ça pourrait être une recrue, Jean-Simon Roy, qui embarque au poste de bloqueur. Un joueur de première année, évidemment, mais qui était un autre joueur très convoité. Et qui a eu du temps de jeu un petit peu cette aussi année également. De par les quelques blessures sur la ligne à l'attaque du Rouge et Or. Premier essai 20 de la ligne de 40. Morin plante et Rioux, les vétérans, s'en vont à la gauche du quart. Côté large du terrain, on court de l'autre côté. Avec Bourassa. Il va gagner quelques verges, mais ce sera un deuxième et très long. Deuxième et 16 ou 17. Donc, il faudra voir ici si on va opter pour une stratégie plus ouverte. Et on va tenter d'y aller pour un long jeu, évidemment, parce qu'on ne peut, on ne pourra aller chercher le premier jeu à moins d'y aller d'une passe de plus de 15 verges. Ou si on va être plus conservateur, essayer d'avoir un joueur qui brise un plaqué après l'attraper et potentiellement gagner des verges intéressantes, ou on pourrait tout simplement y aller pour un jeu conservateur où on va dégager ensuite et redonner le ballon au Carabin avec notre défense redoutable. Trois receveurs à gauche, deux à droite, un joueur au champ arrière, passe rapide du côté droit à Le Chasseur qui brise un premier plaqué, revient à la ligne d'engagement initiale, faudra dégager. Encore une fois, regardez le travail de l'ailier défensif, David Ménard, juste ici. Donc, il va avoir un mouvement vers l'intérieur et ensuite, son joueur de ligne à l'attaque va sortir. Donc, ce qu'on lui demande de faire dans ces situations-là, c'est de suivre son joueur de ligne à l'attaque. Vous allez voir, au dernier moment, il se rend compte qu'on va à l'extérieur et c'est lui qui va faire le plaqué sur le périmètre. Donc, jeu très athlétique. Un gros allié défensif, David Ménard. Botté de dégagement attendu à la ligne de 20 par Alien Dao. Boris Bédé, à nouveau, prend tout le temps disponible. Il reste moins de 10 secondes pour remettre le ballon en jeu. 6. 5, 4, 3, la remise. Le Botté en flèche va bondir en territoire des Carabins à la ligne de 15. Et ça s'arrête à la ligne de 15. Avec 3 minutes, 1 seconde à faire. Le temps d'un dernier jeu avant le temps d'arrêt réglementaire des 3 minutes. Les entraîneurs des unités spéciales qui comparent souvent le positionnement des joueurs à un filet. Donc, on veut former un filet devant le retourneur et au dernier moment, on referme le filet sur ce même retourneur et c'est exactement ce que le Rouge et Or a fait ici. C'est terminé dans l'Atlantique, on me dit. Quel est le résultat final? Mont Allison avait les devants en 20 à 17 et Mont Allison a battu une Huskies de St. Mary's 20 à 17. Les gagnants du match aujourd'hui qui se rendront donc à Sackville la semaine prochaine pour affronter une des équipes surprises au Canada, les Mounties de Mount Allison. L'ancienne équipe du porteur de ballon des Alouettes, Éric Lapointe, fin de remise, Gabriel Cousteau cherche, oh! Saint Ducard! Alex Dupuis, le centre arrière qui avait le lourd mandat de bloquer Vincent Deloge, et c'est Deloge qui a eu le dessus, tout un sac. Et là-dessus, on s'en allait en pause, le temps d'arrêt réglementaire des 3 minutes. Mon gars, l'équipe d'Étoiles réussit le sac. 2 minutes 40 à faire, une avance d'un point pour le Rouge et Or pour regarder du superbe football universitaire. Ici Radio-Canada, télé. Le 13e joueur du Rouge et Or qui fait sa part, beaucoup de bruit pour empêcher l'attaque des Carabins de s'organiser sur un deuxième jeu. 15 verges à gagner, moins de 3 minutes à faire. Le temps commence à compter. Cousineau, la passe. Pour Ndao, est-ce qu'il y a un bouchoir? Non! Passe incomplète.
Il y avait eu un contact léger avec Ndao juste avant que le ballon arrive, mais on a jugé que les deux joueurs se battaient pour le ballon. On va revoir. C'est une bonne décision ici des arbitres. On laisse les deux joueurs jouer. On veut qu'il y ait une bataille pour le ballon. Et c'était tout à fait légal ici Ovington qui n'a pas tenté de pousser le receveur. Il a simplement tenté d'aller dévier le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on botte? On donne le deux points pour tirer de l'arrière par trois, mais avoir une meilleure position sur le terrain. Bien l'impression qu'on va accorder les points ici parce que sinon, on redonne le ballon en position très favorable aux Rougeurs. On met le genou immédiatement au sol. Pas question de perte de temps cette fois. Mais attention, il y a un mouchoir sur le jeu. C'est contre les Carabins. Si on suit la réaction des joueurs du Rouge et Or, donc j'ai l'impression qu'on va refuser la pénalité parce qu'on va refaire la même chose de toute façon. Non, on devrait justement accorder la pénalité et ensuite demander aux Carabins de faire un autre jeu, donc découler 7-8 secondes supplémentaires. Donc on a bien entendu Glenn qui dit non pour 3-4 secondes. C'est dur. Bon, la punition est refusée. Le toucher de surprise est bon. Parce qu'on juge que comme le chrono ne serait remis en marche qu'au moment de remettre le ballon, ça dure une seconde et demie, deux secondes, le batteur met le genou au sol. Tout à fait. Et dans un sens aussi, on est en confiance, on sait que notre attaque va reprendre le ballon immédiatement. Avec 2 minutes 27 au tableau, est-ce que le Rouge et Or, avec une avance de 3 points, peut garder le ballon jusqu'à la fin du match? Vous pouvez être certain qu'il va être remis en jeu quand il reste moins de 5 secondes. Au chrono des 20 secondes, qui affiche maintenant 15 secondes avant de remettre le ballon en jeu. 10. On remet au centre. On va aller chercher 6 verges là-dessus. Avec Pascal Lochard. Et il nous manque un de nos joueurs de ligne à l'attaque. Il n'y a pas de problème. On met Danny Grou du côté gauche. Regardez son bloc. Part de gauche à droite. Et habituellement, il joue du côté droit. Ici, il est à gauche. Il fait tout de même un excellent bloc pour permettre à Lochard de se rendre au deuxième niveau. Juste un léger bloc sur Archambault, mais ce qui est suffisant pour créer une ouverture. Deuxième essai. Plus de 3 verges à gagner. Skinner derrière son joueur de centre. Remise à Lochard, droit devant lui. Arrêté, il va manquer une verge. Oh, aïe, c'est le temps des décisions. L'ailier défensif Jean-Samuel Blanc qui a fait toute une pénétration, n'était pas bloqué, s'est donc dirigé rapidement vers le porteur de ballon et son collègue, le joueur recru au poste de secondaire, Alex Cromer-Raymond, qui est venu compléter le plaqué. On a vu Justin Etier sur les lignes de côté. Justin qui travaille sur les lignes de côté depuis le début du match aujourd'hui. Alors qu'en saison régulière, il travaillait en haut. Justin m'a dit qu'il avait besoin de ressentir les émotions. C'est un match où, évidemment, il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup d'animosité. Il a dit « J'ai besoin d'être avec mes joueurs et de vivre ça avec eux. » Ici, ici! Temps d'arrêt qui, je crois, a été demandé par le Rouge et Or. Évidemment, je n'ai pas observé si il nous manquait un joueur sur le terrain ou si on préférait peut-être changer la stratégie. Mais un temps mort de moins à ce temps-ci du match, ça peut être coûteux parce que là, les Carabins... Je pense qu'on parle encore de l'obstruction sur le receveur tantôt. Ouais. Évidemment, Danny qui veut lancer son message auprès des officiels. Ce que j'allais dire, c'est que là, les Carabins reprennent le ballon avec 2 temps d'arrêt. Donc, évidemment, si on va voter ce placement-là rapidement, peut-être que Rougeard aura besoin de ce deuxième temps d'arrêt. Même si Danny n'est pas d'accord, il n'aura pas le dernier mot. Je pense pas que c'était serré. Il y a eu une pénalité pour obstruction qui est en leur faveur dans la zone des buts. C'était serré également. Là, il y en a une qui n'a pas été appelée. Je pense qu'en fin d'une saison, ça s'équivaut pas mal. Naturellement, on se rappelle plus de celles qui ont mal tourné pour notre équipe. C'est normal. Botté de dégagement. On a 2 retourneurs cette fois. On ne veut pas donner tout le terrain à Boris Bédé. Pick it up, pick it up, pick it up.
Temps d'arrêt demandé par le Rouge et Or. J'en déduis que le premier temps d'arrêt était peut-être demandé par les Carabins. Temps d'arrêt demandé par le Rouge et Or. Donc, on en a un de chaque côté. C'est bon, j'ai ça. Hey. Il en reste donc un de chaque côté. Hey, je suis fort en maths, c'est impressionné. Chaque équipe a deux temps d'arrêt par demi. Chaque équipe en a pris un. 2 minutes au football canadien, c'est beaucoup. Donc, dépendamment du retour des Carabins, on pourrait avoir besoin d'une trentaine à 40 verges pour être en position pour tenter un placement. Contre le vent, toutefois, Ménard Brière qui a manqué un placement plutôt dans le match, qui pourrait finalement être fatal, mais qui pourrait en principe avoir une chance de se racheter lors des prochaines minutes. Est-ce qu'on va avoir de la prolongation au match de la Coupe d'Andemore? Et la prolongation au football canadien, évidemment, c'est la même règle qu'au football universitaire américain. C'est très, très, très impressionnant. On appelle ça les shootouts. C'est un peu les... Chaque équipe a le ballon au moins une fois. À partir de la ligne du 35 adverse, c'est très excitant. Cette fois-ci, on va y aller avec le botté de Boris Bédé. La remise est bonne. Le botté. Capté à la ligne de 35 par Aliane Dao qui sort en touche tout près de la ligne de 40. Donc, avec 2 minutes à faire, les Carabins, dont l'attaque n'a pas généré grand-chose depuis la moitié du troisième quart, devra traverser le terrain pour aller au moins se placer en position de placement pour créer l'égalité. Là, vous êtes sûr que le 13e joueur du Rouge et Or, vous allez l'entendre. On n'a pas eu le chiffre de la foule, mais il y a du monde. Il y a du monde qui connaît le football et qui va être bruyant au cours de la prochaine minute 55, d'une façon ou d'une autre. On y va à 5 receveurs du côté des Carabins. 3 du côté large à la gauche du cadre, 2 de l'autre côté. Cousineau, regarde au centre, regarde, la passe complétée à Davidson. Davidson à la ligne de 50, frappé durement. Shane Gauthier, Maximilien Ducap était là. Est-ce qu'on a le premier essai du côté des Carabins? Je crois que oui. C'est tout prêt, il va falloir mesurer. Jeu à deux niveaux. Non, on donne le premier essai. La dernière lecture de Cousineau, qui était le tracé à contre-courant de Davidson, il a mis le ballon droit devant lui, est allé chercher des verges positives. Et si on a opté pour Gabriel Cousineau cette semaine, c'est parce qu'on lui fait confiance. C'est un corps de troisième année. Donc, c'est un vétéran. Il n'a pas connu beaucoup de grands matchs. Mais là, en situation cruciale comme ça, doit élever son jeu et amener son attaque en temps promis. À nouveau, 5 receveurs de passe. Cousineau regarde du côté droit. Avant le match, j'ai parlé des meilleurs joueurs de la ligne à l'attaque des Carabins face aux meilleurs joueurs de la ligne défensive du Rouge et Or. Bien ici, c'était David Foucault, un des meilleurs espoirs en prévision du repêchage. Bien, il s'est fait battre contre Vincent Deloge, peut-être le joueur du match chez le Rouge et Or. Il l'a battu en situation 1 contre 1. Et Deloge qui est rapidement revenu vers Cousineau. Quel jeu! Deuxième essai, plus de 15 verges à gagner. 1 minute 20 au tableau. On est en situation de 3 essais ici. Deuxième, 15 verges. Cousineau regarde. La passe, elle est longue. Incomplète au-dessus de Maxime Fournier-Rioux. Excellente couverture ici du demi de coin. Maximilien Ducat était tout près de Fournier-Rioux. Cousineau qui ne semblait pas aimer ce qu'il voyait, mais a tenté de forcer le ballon dans les mains de Maxime Fournier-Rioux avec son bras puissant. Et excellent jeu de la tertiaire lavalloise. Troisième essai, 16 verges à gagner. Pas seulement le jeu du match, le jeu de la saison pour les Carabins. Est-ce qu'on va avoir un temps d'arrêt? Question de choisir le bon jeu. Si je ne m'abuse, ça sera le dernier temps d'arrêt des Carabins. Donc, oui, c'est bien parce qu'évidemment, on doit réussir ce jeu-là. Mais si, en advenant qu'on avance avec le ballon, on pourrait avoir besoin d'un dernier temps d'arrêt avant de tenter le placement égalisateur. Mais il faut aller chercher d'abord 16 verges. Jean, en saison, on avait rarement vu un spectacle aussi constant au football universitaire québécois. Une parité dans la Ligue.
d'excellents matchs. Et aujourd'hui, bien, ça se concrétise avec un match de football exceptionnel, des athlètes supérieurs et un match, un vrai match de football de novembre, physique. On a vu énormément de gros contacts, des revirements au bon moment. Et on peut remercier ces étudiants athlètes et les entraîneurs, évidemment, qui les ont préparés de nous offrir un spectacle de la sorte aujourd'hui. Les deux attaques aériennes à égalité avec 242 verges de gain tous les deux. On n'a pas vu ça souvent de la part de ces deux équipes cette année. Donc, Painter, c'est l'attaque au sol et arrêter l'attaque au sol. On envoie quatre receveurs du côté large du terrain. Un seul à gauche, c'est Alien Dao. Attendez-vous une pression à trois pour le rougeur seulement. Cousineau recule. Attention, il y en a de la pression. Cousineau court. Cousineau, toujours debout. Cousineau est arrêté à cause du premier jeu. Le Rougeur, avec moins d'une minute à faire, s'approche de sa 11e Coupe d'Hansmore d'affilée. L'unité la plus importante pour le Rougeur cette année, ça a été la ligne défensive. Ici, on a opté pour une pression à trois joueurs seulement pour avoir neuf joueurs en couverture. On a tout de même été en mesure d'amener une pression. Mais à ce moment-ci, juste ici à l'écran, Cousineau devait tenter une passe. Il avait plus de 15 verges à franchir. Il ne pouvait pas espérer courir avec autant de joueurs en couverture qui pouvaient voir le déploiement de Cousineau. Aurait dû lancer le ballon et tenter un jeu miracle. Quel travail de la ligne défensive du Rougeur. Premier essai au milieu de terrain. Faut que ça soit. Faut pas qu'il y ait d'échappée du côté du Rougeard. Perte de terrain. On n'a plus de temps d'arrêt, mais le jeu qui va redébuter seulement lorsque les arbitres vont juger que l'attaque est prête à remettre le ballon en jeu. Il ne reste que 53 secondes. Donc, quand le ballon sera remis en jeu, il en restera 35 ou 36, pas plus. Évidemment, le Rougeard qui va prendre son temps à remettre le ballon en jeu. Et je vous ai parlé des temps morts des Carabins, mais ça fait mal à ce moment-ci. Parce qu'après, un jeu de la sorte, un jeu défensif de la sorte, ça aurait été optimal de prendre un temps d'arrêt automatiquement. Et Skinner, au centre du terrain, a le tableau entre les poteaux des buts à l'autre bout. Il voit le temps où il reste 10 secondes avant de remettre le ballon en jeu. 7, 6, 5, 4, c'est remis. À Lochard, du côté droit. Lochard, toujours debout, au 50. Troisième essai, alors qu'il reste 30 secondes au tableau. Ici, encore une fois, on va pouvoir écouler les secondes du côté du Rougeard. Il va en rester 10. Et vous avez remarqué, évidemment, le Rougeard qui a demandé à son porteur de ballon de rester à l'intérieur du terrain, donc le temps qui continuait. Et on devra dégager, mais avec très peu de temps à faire. On dégage ou on court et on prend une chance que les Carabins ne traversent pas l'espace nécessaire? Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais mon temps à se positionner et je demanderais à Bédé qui botte absolument sans faute le ballon à l'extérieur du terrain sur les lignes de côté. Retour. Non, il n'y a même pas besoin d'être à la ligne de 5, mais n'importe où à l'intérieur de la ligne de 20 et les Carabins qui auront à peine 10 secondes pour tenter un jeu suicide à la toute fin. 5 secondes pour remettre le ballon en jeu. 12 secondes dans le match. Et on va demander le dernier temps d'arrêt du côté. Très bien fait. On a de cette façon-là, on est en mesure d'écouler encore plus de temps parce qu'on n'était même pas besoin, n'avait même pas besoin de remettre le ballon en jeu. Et là, il reste seulement 9.7 secondes. Habituellement, un botté de dégagement, surtout ceux de Boris Bédé qui reste en l'air pour en moyenne 4 secondes. Donc là, on va viser les lignes de côté, mais on pourrait au moins retirer 3 à 4 secondes du tableau indicateur et les Carabins qui auront à peine 5 secondes pour tenter un dernier jeu. Un seul joueur pour retourner. Est-ce que, évidemment, si on veut essayer des jeux renversés, tout ça, on oublie ça. Mais en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour maximiser la pression. On va tenter de bloquer le botté de dégagement et ça nous sauverait. On reprendrait le ballon du côté des Carabins aux alentours de la ligne du centre. Donc, c'est une des solutions rêvées par Danny Machocha et son personnel d'entraîneur. Évidemment, à l'inverse, le Rougeur qui va maximiser sa protection. Donc souvent, on va déployer des joueurs sur le périmètre en couverture. Cette fois-ci, on en a seulement qu'un, Yannick Morin-Plante. Le joueur le plus rapide de l'équipe, joueur de cinquième année. 11 joueurs sur la ligne d'engagement pour les Carabins. Avec du mouvement avec Pruneau. Surveillez-le, Pruneau, il est très rapide et dynamique. Oh! Le botté va sortir en touche. À la ligne, alors qu'il reste 5 secondes, le temps d'une prière, un « Je vous salue, Marie ». Marie.
Vous avez pas énervé du tout. Très calme. Quel match de football. Et laisse-moi te parler d'une peut-être une possibilité, peut-être farfelue du côté des Carabins, mais on pourrait ici tenter de découler 3-4 secondes, aller gagner 15 verges et demander à Ménard-Briard de tenter un placement de plus de 60 verges. Il a la jambe pour le faire, mais j'ai pas l'impression qu'on peut se franchir plus de 80 verges en 5 jours. Une seconde. On pourrait viser les lignes de côté au bas de l'écran, tenter de se mettre à la ligne de 45-50 et ensuite espérer que Ménard-Briard fasse tout un placement. Cousino cherche la passe, elle est là. Goal à rabat. Interception, Alex Ovechkin se jette au sol, le match est terminé, le Rouge et Or remporte une 11e Coupe d'Hansmore d'affilée. Quel match de football, et le Rouge et Or qui, comme seuls eux savent le faire, ont terminé la rencontre. On s'est gagné, c'est pourquoi on gagne année après année la Coupe d'Hansmore. Et félicitations à tout un programme de football qui remporte une 11e Coupe d'Hansmore d'affilée. Quel match entre ces deux défenses incroyables, deux des meilleures défenses au Canada. Le Rouge et Or va prendre le chemin du Nouveau-Brunswick contre toute attente pour aller affronter les Mounties de Mount Allison. La semaine prochaine, un match qu'on va vous présenter à compter de 12h30, heure de l'Est. Quel match! Et pas évident de trouver les joueurs du match quand c'est autant de joueurs se distinguent. On va aller rejoindre Antoine sur le terrain. Merci avec Alex Ovechkin. L'universitaire est une présentation de Raymond Chabot, Grant Thornton. Raymond Chabot, Grant Thornton, l'instinct de la croissance. Avec Alex Ovechkin qui a réussi une interception extrêmement importante par mois du dernier jeu. Oh, ben on savait qu'elle nous essayait deep, fait que on est resté discipliné, lancé la balle, puis je me suis jeté par terre. Le match était fini, c'est un jeu important. À quel point c'était un match excitant pour vous? Nous, sur les côtés, c'est extraordinaire pour vous sur le terrain. C'est un match émotif. La foule était derrière nous, on le sentait, le support de la foule. C'était incroyable comme sensation, puis je suis content d'avoir gagné. C'est ta première Coupe d'Hansmore, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire pas grand-chose parce que nous, on s'entraîne pour des Coupes Vanier, puis tant qu'on n'aura pas la Coupe Vanier, je serai pas satisfait. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps au vestiaire, vous meniez, mais quand même, qu'est-ce qui s'est dit pour rester aussi motivé? On s'est dit de continuer à faire ce qu'on fait. Il fallait pas, il y avait rien de catastrophe, on jouait une bonne game. Il fallait continuer, puis on s'est dit, ils vont finir par briser. Puis c'est ça qu'ils ont fait, ils ont fini par briser. Merci beaucoup, félicitations. Ça fait plaisir. Là-dessus, on retrouve Jean et Charles-Antoine. Merci beaucoup, Antoine. À ce moment-ci, on le fait à chaque saison. On salue ceux qui terminent leur stage universitaire. Du côté des Carabins, il y en a au moins 4. Le docteur Alexis Rousseau-Sen qui est revenu, David Foucault, joueur de ligne, retransonné, et Simon Légaré qui malheureusement ont vu ça des lignes de côté parce qu'ils étaient blessés. Il y a des joueurs de quatrième année aussi dont on ne connaît pas le sort pour le moment. On espère les revoir. On s'en va en pause là-dessus. Victoire du Rouge et Or, 14-11. Ici Radio-Canada, Télé.